السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 28 d'Al-Qaïda 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 20 octobre 2011 bi-idhnillahi ta'ala. Nous sommes, inshallah ta'ala, cette fois avec le quatrième cours des six fondements. Le Cheikh Mohamed Abdelwahab, expliqué par l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Dans le premier fondement, on avait vu que ça parlait de sincérité. Et que rien n'était accepté chez Allah Azzawajal s'il n'y avait pas la sincérité. Dans le deuxième fondement, on avait vu le fait de converger et le commandement de se regrouper et de ne pas se disperser et de ne pas diverger. Dans le troisième fondement, sur lequel on est toujours, c'est le fait d'obéir aux gouvernants musulmans et de ne pas se rébeller contre eux tant qu'il n'y a pas une preuve évidente d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils sont devenus kuffar. Donc, ça c'est le deuxième, disons, cours dans le fait de ne pas se rébeller contre les gouvernants. Alors, dans ce deuxième cours, j'ai choisi certains hadiths et certaines paroles de savants qui ont été rassemblées et traduites aussi du français, de l'art vers le français, par le frère Abu Sulayman, ou bien le frère Sulayman Haïti, du Canada. Naam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mettre ce qu'il vient de faire comme travail, dans ce que je vais lire, inshallah ta'ala, dans la balance des hasanat demain, quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, voici quelques hadiths sur l'obligation d'obéir aux dirigeants musulmans, même si ce sont des tyrans, et l'interdiction de désobéir et de se rebeller contre eux. Ces hadiths viennent répondre à ceux qui ont dévié de la sunna et de la voie des salafs salih, radiyallahu ta'ala anhu, et qui ont suivi la bid'a des sectes d'égarement, comme la secte des Khawarij et des Mu'tazila. Les Khawarij qui déclarent les dirigeants mécréants pour des péchés qui ne rendent pas mécréants, et qui croient que de faire des rébellions contre les dirigeants musulmans fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. À notre époque, on a vu se rajouter à l'égarement des Khawarij des idéologies des koufars comme la démocratie, la laïcité, le socialisme, le communisme, l'anarchisme et plusieurs autres idéologies des koufars qui prônent la rébellion et la révolte et le terrorisme et qui incitent les hommes à faire des manifestations contre leurs gouvernants, je l'ai ajouté, et du désordre sur terre. Malheureusement, beaucoup de musulmans se sont laissés séduire par ces mouvements et sont entrés volontairement ou non dans la description de ceux qu'il décrit, Allah Azza wa Jal, en disant dans le Coran, et quand on leur dit, ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Allah Ta'ala dit, certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte.
البقرة 11-12. Donc voici, inshallah ta'ala, 7 ou 8 hadiths yani, qui incitent et exhortent le musulman à écouter, à obéir au gouvernement musulman tant qu'il n'y a aucun délit qu'il est devenu kafir. Et j'ajoute en parenthèse que même s'il devient kafir et que les savants disent qu'il est devenu kafir, il y a encore une deuxième condition pour pouvoir lui déclarer la guerre. C'est quoi? C'est d'avoir la capacité, comme on l'a dit plusieurs fois, bi'idhnillah ta'ala. L'imam muslim a rapporté, selon Junayd ibn Abi Umiyya, qu'il a dit, radiallahu ta'ala anhu, nous sommes rentrés chez Ubad ibn Samit, c'est un sahabi, alors qu'il était malade. On lui a dit, qu'Allah te guérisse. Cite-nous un hadith que tu as entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Remarquez, bi'idhnillah ta'ala, yani que même les sahaba radiallahu ta'ala, même quand ils se rendent des visites, yani ils ne parlaient pas de choses qui n'avaient pas de relation avec yani le dîn, ou du moins de choses importantes. Subhanallah. Regardez, celui-là, il est malade, quand même on profite de l'occasion, on lui dit, cite-nous un hadith. Cite-nous un hadith, subhanallah. C'est pour ça que j'ai entendu, une fois, que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, quand il est tombé malade, et que de l'hôpital, si je ne me trompe pas, des États-Unis, vraiment malade, peut-être ses derniers jours, subhanallah, qu'est-ce qu'il faisait les derniers jours? Il avait même la langue, disons, classe, c'est comme si elle était liée, c'est comme si elle avait des nœuds. Quand quelqu'un est très malade et vieux, sa langue, yani, devient, c'est comme si elle a un nœud, on ne comprend même pas ce qu'il dit bien. Subhanallah, dans des moments pareils, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des cours en direct de l'hôpital vers l'Arabie Saoudite, subhanallah, non, vers la Mecque ou Médine ou bien l'Aneïza ou bien où il était, subhanallah, et il répondait aux questions. Al-Muhim, cite-nous un hadith que tu as entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le messager d'Allah, alayhi salatu salam, nous a appelé, c'est-à-dire un jour, puis nous lui avons donné l'allégeance, le béa. Il a pris notre serment qui mentionnait qu'on devait écouter et obéir. Écouter et obéir dans ce que nous aimons comme dans ce qui nous déplaît. Dans la difficulté comme dans l'aisance. Et même si on se donne des privilèges dans la dunya à notre détriment, et de ne pas disputer le commandement à celui qui le détient. Donc on doit lui obéir dans quoi? Dans ce que nous aimons et ce qui nous déplaît. Dans la difficulté, comme dans l'aisance, et même si on se donne, yani, ils se prennent des privilèges dans la dunya à notre détriment. Puis il a dit, alayhi sallam, excepté si vous voyez un coffre clair au sujet duquel vous possédez une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième hadith, toujours rapporté par l'imam muslim. Cette fois, d'après Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala, que le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, qu'il soit patient. Celui qui se sépare de la jama'a, du groupe, ne serait-ce que d'un nompon, c'est d'une petite distance, d'un nompon, puis meurt dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période de l'ignorance, c'est-à-dire la période anté-islamique, avant l'islam. Hadith authentique. Je répète, celui qui voit de son dirigeant ce qui lui déplaît, des choses qui te déplaisent, sois patient, qu'il soit patient. Pourquoi? Ça va te pousser à faire quelque chose, peut-être à te rébeller. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu vas sortir de la jama'a. Et alors, il a dit, car celui qui se sépare de la jama'a, ne serait-ce que d'un nompon, puis meurt dans cet état, sa mort sera une mort semblable à celle de la période de l'ignorance, c'est-à-dire la période anti-islamique. Troisième hadith, toujours Imam Muslim, rahimahullah, rapporte d'après la sahabiya Salama, radiyallahu ta'ala, que le messager, alayhi sallallahu sallam, a dit, il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver des œuvres et condamner des œuvres.
Donc il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver des œuvres, comme ils font la prière, ils font le bien, construisent des mosquées, et condamner des œuvres. Et vous allez aussi condamner certaines œuvres. Là, peut-être que pendant leur gouvernance, peut-être qu'ils vendent de l'alcool, c'est permis la fornication, et comme ça des choses. Il a dit, celui qui approuve du bien, et le bien, est innocent. Alhamdoulilah. Celui qui condamne le mal est sauf, alhamdoulilah. Mais malheur à celui qui est satisfait et suit dans le mal. Satisfait dans son cœur. Et il est ravi, hein, qu'il y ait ce mal. Il dit, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre? Il dit, non, tant qu'ils font la salate. Non, tant qu'ils font la salate. Quatrième hadith. Justement ce hadith, tant qu'ils font la salate, c'est un hadith, yani si la personne ou le musulman va bien le méditer, peut-être qu'il prendra de la vie, yani, ou disons c'est un avis très fort pour ceux qui disent que celui qui ne fait pas la salat c'est un kafir. Comment cela? Regardez, il est interdit de combattre le musulman, le gouvernant, tant qu'il fait la salat. Ça veut dire s'il ne fait pas la salat, il est permis de le combattre, s'il y a la deuxième condition, qui est la puissance et la capacité. Maintenant, donc, ça veut dire que s'il ne fait pas la salat, il est permis de le combattre. S'il est permis de le combattre, vous savez qu'en islam, on ne combat que le kafir. Donc, c'est une preuve, hein, une grande preuve et forte preuve pour ceux qui disent que celui qui ne fait pas la salat, il est kafir. Et le quatrième hadith, l'imam muslim, rahimahullah, a rapporté, selon Awf ibn Malik, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez ce qu'il a dit, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et ceux pour lesquels vous priez, c'est-à-dire vous faites des doigts, et qui prient pour vous. Et les pires de vos dirigeants, ce sont qui? Ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. On demanda au messager d'Allah, devons-nous les combattre avec l'épée dans ce cas? Il a dit, non, tant qu'ils font établir la salat parmi vous. Tant qu'ils font établir la salat parmi vous. Maqamu salat. Je vous dis, celui qui a un dirigeant, qu'il voit faire quelque chose de la désobéissance d'Allah, alors qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance d'Allah, mais qu'il ne retire jamais sa main, yani, de son obéissance. Donc si tu vois un dirigeant musulman faire des choses qui rentrent dans la désobéissance d'Allah Azzawajal, il faut alors quoi? Il faut détester la désobéissance qu'il vient de faire. Car si tu vas le détester lui, tu vas te rébeller contre lui. Mais tu détestes, yani, la désobéissance qui vient de faire lui. Quant à lui, en sa personne, ben, celui-là, c'est autre chose. Tu dois lui faire des doigts, etc. Comme on va voir, il y en a un peu plus bas. Donc, autre chose d'en prendre de ce hadith, ce n'est pas étonnant, non, ce n'est pas étonnant que, il y en a un de nos gouvernants, c'est notre gouvernant ou le gouverneur, mais en même temps, c'est quoi? C'est le pire des gens. Non, c'est le pire des gens. D'ailleurs, on le déteste, il a dit, il nous déteste. Il a dit, tu le maudis, il te maudit. Mais malgré cela, il a dit, c'est quoi? C'est toujours ton quoi? Ton dirigeant et ton gouverneur. Car beaucoup croient que le gouvernant musulman, il faut qu'il soit yani, un ange. Il faut yani, qu'il ne parle que de dîn, que, etc. Qu'il n'y ait pas de péché en lui, ni dans sa gouvernance. Et cela, il faut, bi'idhnillahi ta'ala, car le hadith a dit, le pire de vos dirigeants, c'est X et Y, celui qui vous maudit, vous le maudissez, il vous déteste, vous le détestez. Mais malgré cela, il a dit, c'est votre dirigeant. Cinquième hadith, Imam Muslim toujours rapporte, selon Hudayfa ibn Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager, alayhi sallam, a dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui n'appliqueront pas ma sunnah. Et il y aura parmi vous des hommes, leurs cœurs sont des cœurs de diable,
dans des corps humains. Subhanallah al-Azim. Il y aura parmi vous des hommes, parmi nous, des hommes qui ont des cœurs de diable, mais dans des corps humains. Tu le vois, c'est un être humain, mais il a un cœur de diable. Subhanallah al-Azim. Il dit, c'est-à-dire Hudayfa a dit, Ya Rasulallah, que devons-nous faire si cela arrive? Subhanallah al-Azim. Si on va arriver à vivre avec des dirigeants pareils, qui ne suivent ni ta guidance, Ya Rasulallah, ni n'appliquent ta sunna. Et on verra des hommes avec des cœurs de diable et des corps humains. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, écoute et obéis, même si on fouette ton dos et qu'on prend tes biens. Écoute et obéis. Allahu Akbar. Écoute et obéis. Même si quoi? On frappe, ça veut dire on fouette. On fouette ton dos et même si on te prend tes biens. Les biens, il faut voir dans yani, la largeur du mot. Tes villes là, tes usines, c'est pas tu prends tes biens, tu as la maison 100 euros, il te les prend. Non, tu prends tout ce que tu as. Des usines, tu avais des usines, il te les ferme ou là, il les donne à des gens de sa famille. Non, il te prend tes villes là, il te prend tes voitures, il te prend tes fermes. Non, tu dis quoi? Tu dois lui obéir si il te donne quelque chose qui ne se contredit pas avec la charia. Donc, il a dit, même s'il fouette ton dos, ce hadith t'apprend à quoi? T'apprend à ne pas être sentimental. Si vous rentrez dans les salles de tekfir, du matin au soir, qu'est-ce qu'ils disent? Pour chatouiller, pour châtier les sentiments des gens. Ils leur disent, eh oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris nos soeurs, ils les ont violées, ils les ont frappées, ils ont fait ceci, bon, cela, pour chatouiller quoi? Et aller châtier tes sentiments. Tu dises, Allah Akbar. Donc, ceux-là, ce sont des kofars. Non, ils font des choses pareilles. Ils prennent des gens au commissariat, ils les torturent, ils leur font ceci, cela. Non, le hadith, qu'est-ce qu'il t'a dit? Même s'il fouette ton dos et qu'il te prend tes biens, il a dit écoute et obéis. Écoute et obéis. Non, ici, il n'y a pas de sentiment. Allah a dit, son messager a dit, il n'y a pas de sentiment. Le sixième hadith, Imam Muslim toujours, a rapporté, selon Al-Qama, Ibn Abi Wa'il al-Hadrami radiallahu ta'ala anhu, selon son père, qu'il a dit, Salama ibn Yazid al-Ju'fi a demandé au messager, sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, si des dirigeants sont établis sur nous, et ils nous commandent, et qu'ils nous ordonnent, et qu'ils nous demandent leurs droits, alors qu'ils nous refusent notre droit, que nous ordonnes-tu de faire alors? Subhanallah, ils nous demandent qu'on leur donne leurs droits. Quant à eux, ils ne nous donnent pas nos droits. Alors il se doutait et détourna de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il fit semblant de ne pas avoir entendu la détourna encore de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il demanda encore une troisième fois. Puis, il se retourna vers lui et lui dit, écoutez et obéissez, car ils porteront la charge de ce qu'ils font, et vous porterez la charge de ce que vous faites. Non, toi tu écoutes et tu obéis. Non, toi, tu, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras questionné, et lui aussi sera questionné. Toi, alhamdoulilah, tu as donné son droit, et lui, il n'a pas donné ton droit. Donc c'est lui qui va payer, c'est pour ça que, une fois, on a pris un ami, on l'a pris au commissariat. On lui a dit, que pensez-vous? C'est un Égyptien, en Égypte on l'a pris. C'est lui qui nous a raconté au Koweït. On lui a dit, que pensez-vous de Hosni Moubarak? Il a dit, en fait moi, je n'ai rien à penser de lui, ni de compte à lui rendre. Il a dit, c'est lui qui au Qiyama aura des comptes. Nous, on doit lui obéir, tant qu'il est musulman, mais Yom al-Qiyamah, Allah Ta'ala ne va pas me dire qu'est-ce que tu pensais de Hosni Moubarak. Mais c'est plutôt, il va dire à Hosni Moubarak, est-ce que tu as donné les droits aux gens que tu commandais? Donc c'est un avantage. Nous, on a un grand avantage sur les gouverneurs. On va lui poser des questions à lui et pas à toi. Il suffit juste que tu lui obéisses tant qu'il n'a pas demandé quelque chose qui se contredit, c'est-à-dire une désobéissance. Septième hadith, l'imam muslim a rapporté
selon Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, qu'il a dit, que le messager alayhi sallam a dit, il y aura après moi des dirigeants qui se donneront des privilèges à votre détriment par rapport aux affaires de la dunya et des choses que vous allez condamner. Ils dirent, au messager d'Allah, qu'ordonnes-tu à celui qui témoigne de ces choses? Qu'ordonnes-tu à celui qui va vivre des cas pareils? Il a dit, vous donnez le droit qu'il vous est commandé de donner et vous demandez à Allah Azzawajal pour votre droit. Je répète, vous donnez le droit qu'il vous est commandé de leur donner et vous demandez à Allah Azzawajal votre droit. Vous avez remarqué, il n'y a pas chez les salafs, il n'y a pas, s'il ne me donne pas, je ne lui donne pas son droit. Beaucoup de gens disent comme ça. Il ne m'a pas donné son droit, donc je ne lui donne pas son droit. Certains disent, il m'a volé, ça veut dire il ne m'a pas donné l'argent du pétrole, etc. Il m'a volé, donc je vais voler l'électricité. Il m'a volé, donc je vais voler l'eau. Je vais faire passer une conduite, et année de trafic, comme ça je ne paye pas l'eau. Il ne m'a pas donné ceci, donc je ne donne pas cela. Et ça c'est faux, ça c'est pas salaf. Ça c'est khawarij, c'est tkfir. Non. Salaf c'est, tu lui donnes ses droits, même s'il ne te donne pas quoi, tes droits. Maintenant si quelqu'un est dans la daroura ou je ne sais pas, c'est un autre cas. On parle en général. L'imam muslim rapporte, selon Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, Abu Dharr, mon grand ami le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, m'a recommandé d'écouter et d'obéir, même si le dirigeant est un esclave africain qui a les mains et les pieds amputés. Le prophète alayhi salatu wasalam m'a recommandé d'écouter et d'obéir, même si le dirigeant est un esclave africain qui a les mains et les pieds amputés. Non. Tout cela, c'est-à-dire avoir les pieds et les mains amputés, n'a rien à voir avec quoi? Avec le fait que tu es obligé que on lui obéisse. Ah. Le 9e hadith, Al-Bukhari Muslim rapporte, d'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi sallam a dit, celui qui m'obéit, obéit à Allah. Et celui qui me désobéit, a désobéi à Allah. Et celui qui désobéit à son dirigeant, m'a désobéi. Je répète, celui qui m'obéit a obéi à Allah. Et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Celui qui obéit à son dirigeant m'a obéi. Et celui qui désobéit à son dirigeant m'a désobéi. Donc ça marche de pair. Dans le 10e hadith, Al-Bukhari et Muslim alayhima rahmatullah rapportent, selon Ibn Umar, le grand sahabi radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Sauf si on lui commande de faire un péché. Car si on lui commande de faire un péché, il n'y a ni écoute ni obéissance. La sam'a wa la ta'a. Ni écoute ni obéissance si on me demande de faire un péché. Non. 11e hadith et dernier. L'imam muslim toujours rapporte, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, que le messager alayhi sallam a dit, écoutez bien ce hadith, si on a donné l'allégeance à deux khalifas, il faut tuer le dernier des deux. L'allégeance ne doit être donnée qu'à un seul khalifa. Supposons maintenant qu'on entende qu'il y ait deux. On ne savait pas. On croyait seulement qu'il y avait par exemple un khalifa. Par exemple, là, il y avait le khalifa par exemple, en Arabie Saoudite, par exemple. Ensuite, tout d'un coup, on entend qu'il y a un deuxième calife, par exemple, là, ils ont en Tunisie ou là, n'importe où. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher qui est le premier, qui est le deuxième. Qui est le premier calife et qui est le deuxième qui est venu après. Le deuxième, il faut le tuer. Le deuxième, il faut le tuer, malgré qu'il est qui. Même si c'est un sahabi, il faut le tuer. Là, s'il y a un premier calife, le deuxième doit être tué. Il n'y a jamais deux califats à la fois. Jamais. Il y a le calife lui-même qui,
qui va nommer d'autres émirs ou là d'autres petits califes. Mais le grand calife, il n'y a qu'un seul. C'est interdit qu'il y ait deux à la fois. Bi'idnillahi ta'ala. Naam. Donc on va... Il y a bien sûr beaucoup, beaucoup d'autres hadiths naam, qui sont en arabe. Et j'ai un fichier spécialement sur ces hadiths-là en arabe. Peut-être qu'on va laisser pour une autre fois. Bi'idnillahi ta'ala. On va profiter juste pour lire certaines paroles des imams, des salafs au sujet de l'obéissance aux dirigeants, même lorsque ce sont des tyrans. Donc, le frère dit, le frère Souleymane dit, voici quelques citations des imams de l'islam qui expliquent la position de Al-Sunna ou Jama'a face aux dirigeants injustes. Leur position a toujours été de rester patient et endurant face à leur injustice et d'interdire la rébellion et les révolutions contre le pouvoir à cause du désordre énorme qui en résulte. Dans ce chapitre, nous allons mentionner les paroles de nos imams et de nos savants parmi les salafs salihs, rahimahullah ta'ala, de même que les paroles de nos savants contemporains qui suivent ce que suivaient les imams de cette da'wa bimi au sujet de l'avertissement contre les mauvaises conséquences de se rébeller contre les dirigeants. 1. Première parole, premier imam, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, né en 661 de l'Égypte, mort en 728. 661-728. Il a dit, dans Mujmu' al-Fatawa, parmi les fondements de Al-Sunna al-Jama'a, la patience et l'endurance face à l'injustice des dirigeants. Voilà la voie de Al-Sunna al-Jama'a. Il n'est pas permis de sortir contre les dirigeants et de les combattre avec l'épée, même s'ils sont injustes. Comme cela est mentionné dans d'innombrables hadiths authentiques du prophète, alayhi salam, car le désordre et les tribulations qui en découlent ont des conséquences plus graves par rapport au désordre qui vient de l'injustice de ses dirigeants. Naam, l'injustice, que fait ce dirigeant, naam, c'est le moindre mal. Si on va le comparer avec quoi? Avec le désordre qui va découler du fait de se rebeller contre lui. Quand tu vas lui faire la guerre, et lui bien sûr, il ne va pas rester les mains croisées, le gouverneur, ne va pas rester les mains croisées. Il est prêt à tuer son père et sa mère pour la chaise. Donc, qu'est-ce qui va découler? Qui va en découler, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal et plus grave que le mal qu'il faisait avant qu'on se rebelle contre lui. Non. Donc il a dit, nous devons donc, toujours Cheikh Islam, nous devons donc obligatoirement prendre le moindre des deux sources de désordre. Car on ne retrouve pratiquement aucun groupe. Écoutez bien la phrase. La phrase, elle va être reprise, je ne sais pas s'il y a dans ce fichier ou pas, elle est reprise beaucoup par son élève Ibn al-Qayyim, surtout dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Écoutez ce qu'il dit ici. Hein? Car on ne retrouve pratiquement aucun groupe qui se soit rébellé contre leurs dirigeants, excepté que cela a amené à un désordre plus grand que le désordre dont ils voulaient se débarrasser. Subhanallah. Aucun groupe, jamais à travers l'histoire, à travers l'islam, aucun groupe ne s'est rébellé contre son dirigeant sans que quoi? Sans que le désordre qu'ils ont ramené était plus grand que le désordre dont ils voulaient se débarrasser. Non. Puis il a dit, rahimahullah, le prophète, alayhi sallam, a interdit de les combattre tout en mentionnant qu'ils font des choses mauvaises. Non. Pourquoi il a dit ça? Car quelqu'un va dire, oui, mais autrefois, ils étaient, mashallah, Omar ibn Abdelaziz, Abu Bakr Siddiq, enfin, ils étaient, mashallah. Mais maintenant, ils font des mauvaises choses. On dit non. Le prophète, alayhi sallam, a interdit de combattre tout en mentionnant qu'ils faisaient des mauvaises choses. Ce qui prouve qu'il n'est pas permis de les réprimer par l'épée, contrairement à ceux qui combattent les dirigeants parmi les Khawarij, les Shia, Zébiya, les Mu'tazila, et un groupe parmi les Fuqaha, ainsi que d'autres groupes également. Deuxièmement, Ibn al-Qayyim rahimahullah, le grand élève de Cheikh al-Islam, 691-751 de l'Égypte. Il a dit, voilà, justement elle est là la phrase que je voulais vous dire. Il a dit, celui qui médite sur ce qui s'est produit en Islam durant les grandes et les petites tribulations pourra constater
que cela vient de la perte de vue de ce fondement et de l'absence de patience et d'endurance face au mal du fait qu'on cherche à l'éliminer. Non, il a dit, si quelqu'un va méditer pendant tout ce qui s'est passé dans l'islam, il va trouver que tout le mal qui est arrivé aux musulmans, c'est pour avoir perdu de vue ce grand fondement, qui est quoi? Qui consiste à ne pas se rebeller contre un gouvernement musulman. Tous ceux qui ont perdu de vue ce fondement et l'ont laissé de côté, hein, ont été la cause de quoi? La cause de tout ce mal, ce grand désordre dans lequel vivent les musulmans. Non. Il a dit, il en résulte alors un mal plus grand encore que celui-ci. En se rébellant contre le gouvernant, ça va donner un mal beaucoup plus grand que le mal que le gouvernant lui-même faisait. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibn Qayyim qui dit, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam voyait de grands péchés se produire à la Mecque. Et il était incapable de les changer. Il n'a pas changé, il n'a pas dit je me rébelle. Non, je n'ai pas la capacité. Même lorsque le prophète alayhi sallam a conquis la Mecque, là, elle était entre les mains, elle est tombée entre ses mains, et qu'elle devint terre d'islam, il était déterminé à reconstruire la Kaaba, selon les fondements d'Ibrahim. Rien ne l'a empêché de le faire, malgré qu'il en était capable, sauf la crainte d'une chose plus grave. Non, la crainte d'une chose plus grave. Quoi? C'est-à-dire qu'il craignait que Quraysh et Kofar ne puissent pas le supporter. Du fait qu'ils étaient nouveaux, non, dans l'islam. C'est-à-dire que l'islam était quelque chose de nouveau pour eux. Même les Sahaba qui venaient de rentrer en islam pouvaient ne pas accepter ça. Et ils n'avaient laissé la mécréance que depuis peu de temps. C'est pour cette raison qu'il n'a pas permis qu'on réprime les mauvaises actions des dirigeants par la force, à cause des conséquences qui amènent à un mal plus grand que celui qu'on cherche à enlever. Naam, reconstruire la Kaaba sur les fondements d'Ibrahim, c'est une chose, mashallah. Mais le prophète, alayhi salam, ne l'a pas fait, pourquoi? De peur. Naam, de peur que ça donne, yani, un mal, yani, un plus grand mal. Il vaut mieux accepter ce petit mal, qui est quoi? Qui est le fait qu'elle ne soit pas construite sur les fondements de Ibrahim. Ma'alish, c'est mieux que je vais la reconstruire sur les fondements de Ibrahim, mais pas tout le monde va accepter ça. Les gens risquent de se révolter contre moi. Vous savez, la Kaaba, même chez les Koufara, c'est quelque chose de sacré. Comment? Il va détruire la maison d'Allah. Et moi, je ne détruis pas, je veux la reconstruire. Non, c'est impossible. Il ne faut pas la toucher. C'est sacré. Donc, il a laissé ça de peur que les gens, yani, ne puissent pas yani, accepter, ne puissent pas accepter cette chose. Non, et admettre cette chose. Puis il a dit ailleurs, toujours Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit, l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre les dirigeants et de se rebeller contre eux, malgré qu'ils soient injustes et tyranniques, tant qu'ils continuent à établir la salat, c'est pour fermer la porte aux grands conflits armés et aux nombreuses conséquences négatives qui résultent de les combattre, comme la réalité le démontre. Il s'est produit à cause du combat et de la rébellion contre eux des maux plusieurs fois multipliés par rapport au mal qu'ils subissaient au départ. Et Al-Salam a dit que le serment d'allégeance était donné à deux dirigeants. Que si jamais il était donné à deux dirigeants, nous devions tuer le deuxième d'entre eux pour fermer la porte à la fitna. Troisième personnage, l'imam Abu Ja'far Tahawi, rahimahullah, celui dont son livre est très connu, Aqidat Tahawiyah, 239 de l'Hégire, 321, né en 239, mort en 321. Il a dit, nous ne sommes pas d'accord avec la rébellion contre nos dirigeants, même s'ils font de l'injustice. Et nous ne faisons pas d'invocation contre eux. Non. Et nous ne retirons pas notre main de l'obéissance que nous leur devons. Et nous croyons que leur obéir fait partie d'obéir à Allah, et que cela est obligatoire, tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire ce qui est une désobéissance.
et nous faisons des invocations pour eux, pour qu'ils se réforment et pour qu'ils soient pardonnés. Quatrième personnage, l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, celui qui a expliqué l'Aqida Tahawiyya, 731 de l'Hégire, 792, il a dit: en ce qui concerne l'ordre d'obéir aux dirigeants, même lorsqu'ils font l'injustice, c'est parce que les conséquences négatives qui sont liées au fait de prendre les armes contre eux sont plusieurs fois plus graves que l'injustice de ces dirigeants. Ce dirigeant qui est tyran, tyran ça veut dire en arabe paria, qui est tyran, il fait des injustices, mille et une injustices. Mais ces injustices, si on va les comparer au désordre et au grand mal qui va découler du fait que lorsqu'on va se rebeller contre les gouvernants, vous allez voir que quoi? Que ces injustices sont moindres. Les injustices de quoi? Du gouvernant sont moindres. Comparées aux injustices qui vont découler du fait de se rebeller contre eux. Et ceux qui... Il faudrait avoir vécu en Algérie pour pouvoir comprendre une chose pareille. Il faudrait avoir vécu en Algérie pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, comprendre une chose pareille. Il faudrait avoir vu et avoir vécu aussi. Avoir vécu ce qui s'est passé pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire se rebeller contre un gouvernant musulman. Un gouvernant général et un gouvernant musulman. Si je vous donnais juste un petit exemple, très très banal. Une fois j'allais faire la salat. Je marchais. Ensuite, à une dizaine de mètres de moi, j'ai vu un corps allongé, j'ai oublié, sur le dos, là, sur la poitrine, je ne sais pas, Allah Ta'ala Alam, j'ai oublié. Donc je savais que c'était un mort. Je l'ai évité un peu pour ne pas passer près de lui. Évité pour passer, je devais aller à la mosquée. Il y avait entre moi 5 mètres, là, entre lui et moi quand je suis passé près de lui. Ou moins, peut-être 3 mètres. J'ai remarqué que quoi? Qu'il n'avait pas de tête. Le mort, on lui avait coupé sa tête. Ensuite, il y avait un tournant, je devais tourner. Quand je suis tourné, en tournant à droite, là, j'ai trouvé sa tête, la tête de ce mort. Il y avait un ou deux chiens qui jouaient avec. Un ou deux chiens qui léchaient sa tête, ou bien jouaient, ou bien essayaient de mordre, ou bien je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ça c'est rien, ça c'est zéro fils zéro. Non, par rapport à ce qui s'est passé. Non. Quand quelqu'un a vécu des choses pareilles, il sait ce que ça veut dire quand on dit le désordre qui va découler du fait de se rebeller contre un gouvernement. Mais celui qui n'a jamais vécu ça, ou là, qui vit en Europe, ou là, en Angleterre, ou là, en Allemagne, ne comprend pas ces choses. Non, c'est pour ça qu'il est takfiri. Du matin au soir, n'arrête pas de parler de rébellion, djihad, ceci, cela. Mais comme je vous ai dit, jamais ils ne feront djihad, cela, jamais. Et autre chose, ce sont tous des jeunes, de 18 ans, 16 ans, 20 ans, 22 ans. Ils n'ont rien compris, ni de la vie, ni encore moins de l'islam. Il croit que comme ça, c'est très facile. Non, tu prends un couteau, une hache, et tu vas te rébeller, tu vas avoir le pouvoir. Donc le gouverneur, facilement, il va te donner comme ça le pouvoir. Le gouverneur, il est prêt à tuer son père, sa mère, ses fils, ses filles, ses oncles, tout le monde, pour qu'il ne lâche pas le pouvoir. Tu le sais toi ou tu le sais pas? Il a dit, en fait, dans l'endurance et la patience, face à leur injustice, qu'est-ce qu'il y a? Tu gagnes l'expiation pour tes péchés et une multiplication de notre récompense. Allah, écoutez bien ce qu'il a dit. Très important, très très important. Allah Azza wa Jal a uniquement mis au pouvoir ses dirigeants injustes, car je dis en parenthèse, est-ce que ces dirigeants injustes et tyrans aurait pu arriver au pouvoir si Allah ne l'a pas voulu. Si Allah ne l'a pas voulu, universellement, je ne dis pas juridiquement, universellement. Est-ce qu'il serait arrivé au pouvoir? Ce n'est pas possible. Il ne se passe sur cet univers que ce que Allah a voulu. Non. Il a continué qu'il l'a. Il l'a mis.
Maintenant, il dit, Allah Ta'ala a uniquement mis au pouvoir ses dirigeants injustes sur nous à cause de nos mauvaises actions et la rétribution du bien, hein, et le bien et celle du mal et le mal. Non, Allah Ta'ala a mis ses injustes au pouvoir à cause de nos mauvaises actions. Tu as fait le mal, il t'a donné du mal. Si tu étais bien, si on était bien, il nous aurait donné comme Omar ibn Abdul Aziz, radiallahu ta'ala, ou Omar ibn Khattab. Mais nous, on ne mérite pas. Non. Nous, on est plein de fautes, plein de péchés. On va dire pourquoi le gouverneur fait des péchés. Pourquoi il n'applique pas l'islam? Est-ce que nous, on l'applique? Est-ce que nous, on l'applique? Regardez ce hadith. Écoutez bien ce hadith. Apprenez-le quand vous parlez avec Takfiri. Apprenez les hadiths. Regardez ce hadith qui se trouve dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani, rahimahullah. Il a dit hadith authentique. Il a dit cinq choses. A'oudou billah, que, yani, ces cinq choses vont arriver, a'oudou billah, que, yani, vous les viviez. Ces cinq choses. Dans la deuxième chose, il a dit, tant que vous allez faire la faute et le péché de quoi? Il a dit de tricher dans la balance. Tricher dans le poids et la mesure. Dans la balance, alors vous serez puni de trois façons. Hadith rapporté par l'Albania, pour celui qui est en arabe, je lui donne en arabe. Alors vous payerez de trois côtés pour avoir triché dans la balance, c'est-à-dire le poids et la mesure. Il a dit sinin. Sinin, c'est la famine. Vous serez touché par la famine. Wahda sinin. Deuxièmement, il a dit shiddat al-mu'na. Shiddat al-mu'na. Vous allez vivre avec difficulté. Difficulté pour le risque. Difficulté pour la subsistance. Non, difficulté pour vivre. Et troisième punition, pour avoir triché dans la balance, troisième punition, wa, très important, wa jawri sultan. Jawr avec fath, c'est pas vlam, c'est pas jawr. Jawr. Jawr sultan. Jawr, c'est-à-dire l'injustice de qui? Sultan. Du gouverneur. Subhanallah, Allahu Akbar. Donc le hadith a été clair que l'injustice du gouverneur vient de notre faute. C'est nous qui mettons le qadar al-qadar. C'est nous qui sommes la cause de la venue sur nous de qui? Du gouverneur tyran. Pourquoi? Parce que le hadith a dit on a triché et les commerçants ont triché. Donc la Ta'ala va nous punir en faisant quoi? En nous donnant quelqu'un, un gouverneur, qui croit qui est injuste. Jour, ça veut dire, bon, non, il est bas, mais il est injuste. Allah, là, non. Il a dit, nous devons donc faire des efforts dans la demande du pardon, la repentance et la réformation de nos actes. Allah Ta'ala, le trio a dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Shura 30. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Il a dit aussi, An-Nisa 79. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. Et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. An-Nisa 79. Tout bien qui t'atteint vient de Cheki. Allah Azzawajal. Et tout mal qui t'atteint, il vient de toi-même. C'est toi qui as été la cause. Il dit aussi, et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Al-An'am 129. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et ainsi nous donnons à certains injustes, qu'est-ce qu'on leur donne? L'autorité sur d'autres, sur nous. Qui nous? Qui sommes-nous? Les injustes aussi. Non, les injustes. Les pécheurs ont fait des péchés. Il a dit à cause de ce qu'ils ont acquis. C'est sûr que si nous étions des gens, mashallah, que Allah Ta'ala nous aurait donné un gouverneur qui serait mashallah. Non. Cinquième personnalité. Imam al-Barbahari, rahimahullah, mort en 329. Très grand savant de Sunna al-Jama'a. Il a dit il n'est pas permis de combattre le dirigeant ni de se rébeller contre lui, même s'il est injuste. Car le messager, alayhi sallam, a dit à Abu Dhar,
Sois patient, même si celui qui te commande est un esclave éthiopien, Abd Habashi. Et il a dit, comme il a dit au Ansar, soyez patient jusqu'à ce que vous me rencontriez près du bassin, l'Hawz. Et il n'y a rien dans la Sunna qui justifie de combattre le dirigeant, car il y a dans cela de la corruption dans la dunya et dans la religion. Non. L'imam Sabouni, rahmatullah, mort en 449, a dit, les gens de Al-Sunna croient et attestent, c'est-à-dire qu'on doit prier la Jumu'ah et les deux Aïd, ainsi que les autres prières derrière le dirigeant, qu'il soit pieux ou pervers. Ils croient également qu'on doit faire des doigts pour que Allah Ta'ala leur donne le succès et pour qu'ils se réforment. Et ils ne sont pas pour les rébellions contre eux, même s'ils le voient quitter la voie, même s'ils les voient quitter la justice vers l'injustice et la tyrannie. Vous savez, les salafs, comme disait l'imam Ahmed, comme disait Fouzaïl ibn Ayyad aussi, ils ont dit, si on savait qu'on avait une da'wa exaucée, si Allah Ta'ala, c'est-à-dire, si par exemple Allah Ta'ala me dit, voilà, aujourd'hui je te donne, je vais t'exaucer une de tes do'as. Allez, fais-la. Fais une do'a, elle va être exaucée. Ils ont dit, si on avait une do'a exaucée, alors on la ferait pour qui? Pour nous, pour nos enfants, pour nos épouses. Non, il a dit, on va la faire pour le gouvernement. Pourquoi? Si tu l'as fait pour toi, c'est seulement toi qui as gagné. Pour ta femme, c'est seulement elle qui a gagné. Mais si tu l'as fait pour le gouvernement, toute la umma va gagner. Si Allah Ta'ala va t'exaucer. Toute la umma, toute la communauté, va gagner. Pourquoi? Tu as fait des doigts pour lui, pour que Allah Ta'ala le guide, et maintenant il est guidé. Masha'Allah, imaginez que le gouverneur qui était un tyran, qui ne cessait de dire des choses, etc. Maintenant il vient à la télé, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala shaf mursalin, le prophète a dit telle chose, on va appliquer la charia, on va appliquer ceci, on va faire des cours d'aqida, on va ceci, subhanallah l'adim, yani, un gouvernant pareil. Donc on va dire, sont vraiment égarés ceux qui font des doigts contre qui? Contre les gouvernants. Surtout, ceux qui font pendant Doua al-Qunut. C'est Ramadan. Peut-être c'est le 27e jour. Peut-être c'est la nuit du destin. Au lieu de faire une doua et demander à Allah Ta'ala qu'il le guide, qu'il le ramène vers la vraie voie, pour qu'on profite, nous tous, tu vas faire quoi? Des doua contre lui. Non, pour qu'il soit égaré encore plus. Et pour que, il nous déclare la guerre. Subhanallah l'adim. Comment les gens yani, ne voient pas loin, comment les gens qui ne connaissent pas la sunna et la sharia en général, comment yani, qu'ils s'égarent et égarent les autres avec eux. L'imam Abu Bakr Ismaili, 7e personnage, on va bientôt s'arrêter, Inch'Allah Ta'ala. Rahimallah a dit, Ahlul Hadith, croit qu'on doit faire les prières obligatoires, les prières de la Jumu'ah, ainsi que les autres prières derrière tout dirigeant musulman, qu'il soit pieux ou bien pervers, ou bien fessé. Car Allah Ta'ala a rendu la Jumu'ah absolument obligatoire, et il nous a ordonné d'y assister, toi. Non, tu vas la prier toi derrière un imam. Il est possible que cet imam fasse des péchés, même des grands péchés. Il y a des imams qui font des grands péchés. En faisant un grand péché, il est devenu pervers. Comment toi tu fais la prière derrière un pervers? Non, si c'est pas un gouvernement, et maintenant si c'est un gouvernement, tu fais pas la prière derrière lui. Pourquoi tu as fait la différence entre un gouvernant et le gouverné? Les deux sont pervers. Alors pourquoi tu fais la différence? Il a dit, malgré cela, il n'a pas spécifié une époque ou une autre, et il n'a pas ordonné de faire l'appel pour la Jumu'ah sans l'ordre du dirigeant. Il a dit, « El Sunna al-Jama'a croit qu'on doit faire le djihad contre les kuffars avec eux, avec ces dirigeants-là, même s'ils sont des tyrans. Et il croit qu'on doit faire des doigts pour eux, pour qu'ils se réforment et pour qu'ils reviennent vers la justice, c'est-à-dire la vraie voie. Et ils ne sont pas d'accord contre la rébellion, contre les dirigeants avec l'épée, ni avec le combat dans les temps de la fitna. » On va s'arrêter à la 18e personne, Inch'Allah.
l'imam Ibn Hanbal, Ahmed Ibn Hanbal, rahimahullah, imam al-Sunnah, 164-241 de l'Hijr. Il a dit, l'écoute et l'obéissance des dirigeants et du commandement des croyants est obligatoire. Du commandeur des croyants est obligatoire, qu'il soit pieux ou pervers. Qui que ce soit, celui à qui le khilafa a été confié et autour de qui les gens se sont réunis et qui a été agréé d'eux, ou celui qui a pris le dessus sur eux, c'est-à-dire de force, jusqu'à ce qu'il devienne califat et qu'il soit appelé émir des croyants, cela on doit lui obéir. Vous avez remarqué, même, soit qu'il soit agréé par les gens, ou bien il a pris le dessus de force, comme a fait, par exemple, Abdel Malik ibn Marwan. Et le combat avec les dirigeants demeure jusqu'au jugement dernier. Il ne doit pas être délaissé, que ce dirigeant soit pieux ou pervers. La distribution du butin et l'établissement des peines demeurent et personne ne doit les critiquer ni se disputer avec eux. Il est permis de le remettre à zakat, sadaqa. Et celui qui leur a remis sa zakat, cela est valable pour lui. Peu importe que ce dirigeant soit pieux ou pervers. La prière du Jumu'ah, 2 rak'at complètes derrière ce dirigeant ou son représentant sont permises. Ce qui les refait, celui qui, par exemple, il fait salat Jumu'ah derrière un gouvernement musulman, ensuite quand il va à la maison, il refait la salat. Il dit non, ça ne se fait pas, j'ai fait ça derrière un gouvernant, donc il est pervers ou les tyrans, ça ne marche pas. Il a dit celui qui refait la salat, c'est un mubtadi'. Un innovateur qui a abandonné les hadiths et qui a contredit la sunna. Il n'a aucun des mérites de la Jumu'ah s'il ne considère pas valable la prière derrière les dirigeants qui soient pieux ou pervers. Car la sunna est que tu pries 2 rak'at avec eux et que tu considères selon la religion qu'elles sont correctes et qu'il n'y ait aucun doute dans ton cœur à ce sujet. Alors celui qui refait les 2 rak'at par la suite est un mubtadi'. Et celui qui se rebelle contre le dirigeant, alors que les gens se sont réunis autour de lui et ont accepté son khilafa d'une manière ou d'une autre, par agrément, par la force, alors ce khariji, c'est un khariji, il a brisé le bâton de l'unité des musulmans et a contredit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si celui qui s'est rebellé contre le dirigeant meurt, il meurt d'une mort comparable à la période pré-islamique, Jahiliya. Il n'est permis à personne de combattre le dirigeant et quiconque le fait est un mubtadi'. Et il est sur une autre chose que la sunna et le chemin, c'est-à-dire le vrai chemin. Non. Enfin, il reste le personnage de Bukhari qu'on laissera, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va suffire à cela. On va, inshallah ta'ala, répondre aux questions dans 5 minutes. Bi'idhnillahi ta'ala. Ok, c'est bon, Ibn Mustafa, il m'envoie les questions, Inch'Allah. Donc, je vous demande pardon pour le temps que j'ai fait un peu perdre. Donc, une sœur demande, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Alaykumullah. Une sœur dont le mari est allé au Hajj ne veut pas sortir tant qu'il n'est pas de retour, même s'il l'a autorisé. Sera-t-elle récompensée de cette patience, Inch'Allah? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. La question numéro 2, c'est un frère qui demande « Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Je prends le Seigneur des mondes en témoin et il vous dit « Uhibbukum fillah. Cher, je suis un peu perdu à un moment de ma vie où je prie pas. Je suis sorti avec une fille, qu'Allah me pardonne. Puis j'ai commencé à prier et je continue à la voir. Puis Allah m'a fait connaître le minhaj qui m'a changé. Je n'ai plus voulu de cette fille, plus le même but dans la vie, tous les deux. Alors depuis, cette fille souffre énormément, elle a dit que je suis un menteur et que je me suis moqué d'elle. Voilà en fait, j'ai entendu un dars que quand Allah dit qu'il pardonne ceci, ceci ne concerne que les péchés entre nous et Allah et pas les autres personnes, sinon il faut que la personne nous pardonne aussi. Quel est mon sort, cher Barakallahu Fekoum?
C'est bon, cher. Là, c'est la deuxième, là. Alors, la troisième. C'est une sœur. Bismillah. Wassalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu wassalamu ala Rasulillah. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayakallah, cher. Ma sœur est décédée il y a un an. Elle a sa part d'héritage sur la maison laissée par notre père décédé. Elle était mariée religieusement et a deux enfants. Son mari a-t-il le droit quelconque sur cette maison? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Qu'Allah Ta'ala vous récompense grandement et vous accorde le Firdaous. Une personne demande. Assalamu alaikum. Y a-t-il une preuve pour le fait de ne pas jeter de l'eau bouillante dans les toilettes au lavabo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me suis marié récemment et au début ça se passait bien avec mon mari. Le problème c'est sa famille. Elle ne m'aime pas car je porte le djilbab. Sa mère n'aime pas entendre parler de dîn. Elle a appelé chez moi en disant: gardez votre fille, je ne la veux pas. Après cette dispute, elle a viré mon mari de chez elle car il m'a défendu. Elle lui prend des grosses sommes d'argent. Elle m'a dit: si vous voulez vivre ensemble, enlève ton djilbab et va travailler. Je ne suis pas radin, cher, mais il faudra qu'il économise pour qu'on puisse vivre ensemble et préparer la hijra, inshallah, bi'idhnillah. Cette femme a aussi contact avec un charlatan qu'elle appelle souvent pour résoudre des problèmes. A'oudou billah. Que pouvez-vous me conseiller, cher? Surtout, quel est le comportement de mon mari envers moi? Non, surtout que le comportement de mon mari envers moi a beaucoup changé en mal depuis quelque temps. Qu'Allah vous accorde le Firdaous. Jazakumullahu khairan. Qu'Allah soit témoin que je vous aime en Allah. C'est bon, cher, ça a été clair, inshallah. Il y en a eu cinq là, des questions. Ok. Tafadda, tafadda, cher. Alhamdoulilah, ça a été très clair. Alhamdoulilah pour ce micro que tu as. Masha'Allah, ce micro là, subhanallah, c'est comme si tu étais avec moi ici dans la pièce. C'est comme si tu étais avec moi ici dans la pièce, sauf que je suis en train de boire du thé, je ne peux pas te donner. Enfin, mais c'est comme si tu étais là avec moi dans la pièce, sans que tu boives le thé avec moi. Alhamdoulilah. Ça y est. Je vais commencer par la cinquième question, Inch'Allah. Ou plutôt avant cela, je vais commencer par une chose importante, Inch'Allah. Dans le cours passé, j'avais oublié de dire cette chose. Mais dans le cours qui avait précédé le cours passé, j'avais reçu une question sur est-ce que si quelqu'un meurt, on lui enlève son dentier ou pas? J'avais répondu qu'on ne lui enlevait pas le dentier. Si je me rappelle très bien. Une seconde. Non. Je disais donc je dis, Inch'Allah Ta'ala, il y avait certaines choses que je n'ai pas dites aussi. Non. Quand j'ai dit que on lui enlevait pas, entendez ce que j'ai dit, on lui enlève ou on ne lui enlève pas? J'ai dit, je crois que. J'ai dit, on lui enlevait pas, n'est-ce pas? J'ai dit, on lui enlevait pas, bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, après avoir fait certaines recherches approfondies, j'ai trouvé qu'on ne lui enlevait pas le dentier à condition qu'il soit, attendez comment qu'on dit, qu'il soit, car en fin de compte, il y a deux sortes de dentiers. Il y a le dentier qui s'enlève facilement. On le met comme ça, on l'enlève facilement. Il y a un nid démontable, démontable comme ça. Et il y a l'autre qui est fixe. Qu'on fixe avec des vis, etc. Voilà. Celui qu'on n'enlève pas, c'est le fixe. Donc je dis bien, celui qu'on n'enlève pas, c'est le fixe, qui a des vis, etc. Là, il part, on va l'enterrer avec ce dentier. Mais l'autre, celui qui a des crochets qui s'enlève facilement, on le lui enlève. Pourquoi? Parce que c'est comme une bague. La bague, elle peut s'enlever facilement. On lui enlève la bague, on lui enlève le dentier qui s'enlève facilement. Donc, je tiens à préciser cette précision. Ensuite, là, j'ajoute une faïda, c'est quoi?
C'est quand quelqu'un a un dentier, qu'il soit fixe ou collé, quand il fait le wudu, j'ai oublié de parler de ça, c'est pas la peine de l'enlever, Inch'Allah Ta'ala. C'est pas la peine d'enlever un dentier quand quelqu'un fait le wudu et il a un dentier. C'est une faïda. Autre chose, quand j'ai parlé, j'avais dit que si maintenant le dentier, par exemple les dents du défunt, sont des dents d'or, ou alors contiennent beaucoup de dents d'or. Rappelez-vous bien, j'avais dit que on va voir avec les héritiers. Si les héritiers décident qu'on enlève les dents d'or, ou alors même peut-être d'argent, ils ont dit on enlève. Sauf si les héritiers disent, c'est pas la peine, on le laisse. Ou bien, j'avais dit la deuxième exception, si maintenant en lui enlevant les dents, on va faire des dégâts. On va tout détruire et aller peut-être sa bouche. Dans ce cas, on va le remplir de sang, etc. Il faut le laisser comme ça. Donc maintenant, je dis, troisième faïda, dans les deux cas, c'est-à-dire même si les héritiers acceptent qu'on l'enterre avec ses dents d'or, ou alors qu'on ne puisse pas les lui enlever à cause de, pour ne pas faire des dégâts, c'est fragile, etc. Dans ces deux cas, si on va l'enterrer avec des dents d'or, les savants ont dit que c'est permis après qu'on sache que maintenant il n'y a plus de corps dans la tombe, c'est devenu seulement, il n'y a plus de corps, ils ont dit, il n'y a plus de chair, ils ont dit dans ce cas c'est permis d'aller déterrer le trou à def pour prendre l'or, car vous savez l'or ne peut être jamais manger ni par des vers de terre, ni par des fourmis, ni rien. C'est-à-dire, quand on va enterrer quelqu'un avec de l'or, si on va après des années dans la tombe, on va creuser, on va trouver l'or. On va trouver l'or seulement sans trouver la personne. Donc, dans les deux cas, les savants ont dit, c'est permis dans les deux cas d'aller après une certaine durée, quand on est sûr qu'il n'y a plus le corps, on va y aller creuser pour prendre notre or, car c'est pas bien de laisser le corps, de l'or comme ça, y aller jeter, qui est sous la terre, personne n'en profite. Il vaut mieux que on le prenne et on le distribue par et en est de entre les héritiers ibn Oui. Pour la première personne qui avait dit que son mari est parti au Hajj et que malgré qu'il lui donne la permission de sortir, elle n'est pas sortie, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être aussi à son mari, a-t-elle des récompenses? Inch'Allah que oui, si elle est restée spécialement à la maison. Pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, à son mari, elle aura des récompenses, Inch'Allah ta'ala, sauf si, enfin je dis pas sauf, mais il lui était permis de sortir dans le besoin. C'est-à-dire si, malaise, elle devait aller à l'hôpital, elle devait acheter des choses pour ne pas mourir, ou bien on l'a appelée à un endroit où elle doit y aller, elle devait y aller, Inch'Allah ta'ala. Mais maintenant, si elle a décidé de rester à la maison, et en même temps, elle n'a failli à aucun droit envers les autres, Inch'Allah ta'ala, qu'elle aura des récompenses bi'idhnillah ta'ala. Enfin, pour la personne qui m'a dit qu'elle m'aimait en Allah, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aimer, comme elle m'a aimé. Pour l'autre question, la personne qui a dit que c'est un frère qui a dit qu'il sortait avec une soeur et qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé et que maintenant il a décidé de la quitter, il ne la rencontre plus, etc. Il n'a plus de contact avec elle. Et que il dit qu'elle souffre énormément et que peut-être même elle lui a dit ou elle lui a envoyé un texto, je ne sais pas quoi. Elle lui a dit que c'était un menteur, etc. Je dis, le grand menteur et la grande menteuse, c'est elle. C'est elle, ce n'est pas lui. Lui n'a menti en rien. Il était dans les passions, il était dans les tentations. C'est le shaitan qui le guidait, ce n'était pas ni Allah ni son prophète. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait descendre, l'a guidé dans le cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a obéi seulement à Allah et à son prophète. Et Allah ta'ala et son prophète n'aiment pas une relation avec un homme ou un homme avec une femme si ce n'est pas un mahram, mais si, s'il n'y a pas de mariage. Donc lui, en la délaissant et en revenant vers Allah ta'ala et son prophète, il n'a fait aucune faute. C'est elle la menteuse, car si vraiment elle aimait cette personne, elle l'aurait alors suivi aussi dans cette voie, la voie claire, la voie juste. Elle aussi, alors, elle serait rentrée et commencer à appliquer l'islam.
Donc c'est elle la menteuse, c'est pas lui. Et lui, il n'a aucun péché pour y annuler la souffrance qu'elle souffre. Aucun péché. Non. Allah Ta'ala m'a guidé. Je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il te guide comme il m'a guidé, bi'idhnillah Ta'ala. Donc d'après elle, il faudrait qu'il reste sur le même chemin qu'elle. Pour qu'il ne soit pas un menteur, il faudrait qu'il reste dans le même chemin qu'elle, chemin des tentations, chemin des péchés, chemin de la désobéissance. Jamais. Allah Ta'ala m'a guidé. Je dis Alhamdulillah. Naam, je sais que tu souffres, puisse Allah subhanahu wa ta'ala te guider toi-même. Puisse Allah fait des doigts pour qu'il te guide comme il m'a guidé, moi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a rien à, yani, il n'a pas à renouer de contact avec elle, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Pour la personne décédée. Naam. Pour l'autre question, la personne qui est décédée, attendez, dont le père est décédé depuis une année, une sœur, et que maintenant elle va hériter quelque chose, l'année de la maison, c'est-à-dire de son père, elle dit, est-ce que son mari a quelques droits sur cet héritage? La réponse, le mari, bi'idhnillah ta'ala, est un étranger à cet héritage. Le mari est un étranger à cet héritage. Il n'a aucun droit sur cet héritage comme moi. Moi qui vous fais maintenant ce cours, je n'ai aucun droit dans l'héritage de cette femme. Pourquoi? Entre elle et moi, entre son héritage et moi, il n'y a aucun lien. Non. Jamais un mari, yani, ne va hériter l'héritage de sa femme. Il l'hérite elle quand elle meurt. Mais maintenant, c'est elle qui a hérité son père. Lui, il n'a aucune relation avec son père. C'est juste son beau-père. L'autre, il dit, c'est mon petit-fils. Ou là, mon beau-fils. C'est tout. Donc, Inch'Allah, ce qu'elle va hériter, c'est seulement pour elle et pas pour son mari. Il reste une chose. Après avoir hérité, certains savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit qu'il ne lui est pas permis, yani, de se servir de son héritage, disons, de ses biens. Hein, sans demander la permission à son mari. C'est l'avis de certains savants. Non. Ceux qui ont pris cet avis, c'est clair pourquoi. Parce que moi j'ai maintenant ma femme et elle commence à acheter ce qu'elle veut avec son argent. Ça va mener à la discorde. Je vais dire pourquoi elle m'a pas demandé mon avis. Donc pour elle, je ne vaux rien. Elle achète n'importe quoi et ceci, cela. Je m'énerve et je peux même la divorcer. Et si elle m'avait demandé à chaque fois mon avis, ou bien elle sait que je lui ai donné un avis général, un consentement général. Elle sait que, quoi qu'elle achète, jamais je lui dis qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de lui demander à chaque fois, garder son avis. Pour la quatrième question, est-ce que c'est vrai qu'il y a un délit qu'on ne peut pas jeter de l'eau bouillante dans le lavabo ou les toilettes? J'ai lu une fatwa à un des grands savants. Un des grands savants, ou bien Cheikh Rabi, Hafidhahullah, ou bien Rajiri, ou bien l'un de ces grands savants d'Arabie Saoudite. Non, mais je n'ai pas retenu son nom. Il a dit, il n'y a aucun délit. Il n'y a aucun délit qui dit qu'on ne peut pas jeter de l'eau. Lui, il a parlé du lavabo. Il a dit, il n'y a aucun délit qu'on ne peut pas jeter de l'eau bouillante dans le lavabo. Non, il a dit, mais la sunna, c'est quoi? Il a dit, peut-être Cheikh Fouzan, peut-être c'est lui. Il a dit, on laisse l'eau se refroidir et on la jette bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Voyez, maintenant, si vraiment on est contraint, au moins que la personne dise bismillah ou quelque chose comme ça avant de jeter. Si vraiment elle est contrainte de jeter, naam, surtout dans le lavabo, naam. Dans les toilettes, des fois, yani, pour bien nettoyer, des fois il faut de l'eau un peu chaude. Il n'y a aucun délit qui est interdit, comme j'ai dit. Pour la dernière question, la belle-mère qui n'aime pas le djilbab et les problèmes qui ont commencé, etc. Hein, je conseille à cette soeur, hein, de conseiller son mari qu'il fasse quelque chose pour que vous ayez un petit chez-soi, ne serait-ce qu'un studio, pour habiter ensemble, car la femme, bien sûr, n'est pas obligée pour elle qu'elle vive chez sa belle-mère. Ce n'est pas une obligation. C'est tout juste, yani, si elle accepte.
ce n'est pas une obligation qu'elle vive chez sa belle-mère. Non. Surtout, non, si elle ne savait pas, par exemple, qu'elle allait vivre chez sa belle-mère, qu'elle croyait qu'il allait vivre dans un appartement là, que maintenant il dit que là, on va vivre chez ma belle-mère. Moi, je ne savais pas dans les conditions que j'allais vivre moi, chez ta belle-mère. Non. Donc, il fait des nasihas, lui dit, moi, je patiente, je suis prêt à patienter des années même s'il faut. Non. Je suis chez moi, et toi, tu es chez tes parents ou chez des amis ou je ne sais pas où, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse une solution. N'empêche que je suis disponible. Inch'Allah ta'ala, yani, tu as besoin de moi. Mais, non, sinon pour vivre chez ta belle-mère qui me fait des problèmes et qui me fait des comment on dit, des conditions contraires à la religion. Non, enlève le djilbab si tu veux vivre avec nous. Ou là, va travailler si tu veux vivre avec nous. Tout ça, c'est contraire, yani, à la charia. Celle-là, je n'écoute pas, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider à faire un petit chez soi. Et vous aider à faire la hijra, c'est la hijra qui peut quoi? Qui peut vous réunir. En venant ici, vous êtes obligés de vivre ensemble. Vous êtes obligés d'être, inshallah, sous le même toit. Non. J'ai fini avec les 5 questions. Wallahu azza wa jalla a'lam. Bismillah, fais sauter, cher. Et du son. Alhamdulillah. Tayyib. Alors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Subhanallah. Attendez, je crois que mon caméra s'est allumée. Allahu alam. Ah non, c'est bon. Non, non, en fait. En Angleterre, cher, il y a en fait c'est les mushrikines, ils sont en train de faire une fête. Les Chinois ou les Allahu Alam, hindous, ils sont en train de faire des pétards dehors. C'est pas le tonnerre. Mashallah, vous avez de bonnes oreilles alors, cher. Tayeb. C'est bon, je peux commencer, Inch'Allah. Bismillah. Salam alaikum. Vous m'entendez, cher? Salaf. Parce qu'en fait, vous avez mal répondu, cher, par rapport à la question sur la sœur qui est décédée. Donc, Salaf, si tu peux bien lui répéter la question, Inch'Allah, Salam alaikum. 2 minutes, je la reprends, Inch'Allah. Alors, la sœur qui est décédée. Allahumma musta'an. Ah, ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, cher. Ma sœur est décédée il y a 1 an. Et elle a sa part d'héritage sur la maison laissée par notre père décédé. Elle était mariée religieusement et a 2 enfants. Elle était mariée, donc je pense qu'elle est divorcée. Allahu alam. Son mari a-t-il le droit quelconque sur cette maison? Yani, est-ce qu'il a droit à une part d'héritage? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Qu'Allah Ta'ala vous récompense grandement et vous accorde de Firdaus. Bismillah, cher. Non, Akh Mohamed, écoute. En fait, alhamdoulilah, j'ai très bien compris. Non, le fait qu'elle soit mariée ou la divorcée, ça ne change rien. C'est toujours la fille de son père. Hein? Elle est toujours la fille de son père. Qu'elle soit mariée 4 fois, 5 fois, divorcée 5 fois, c'est toujours la fille de son père. Pourquoi va-t-elle sortir de l'héritage? Pourquoi va-t-elle. Hein? C'est clair donc. Donc, Inch'Allah Ta'ala, elle hérite, même si elle est divorcée, même si elle est veuve, même si elle est mariée 10 fois. Elle hérite et son mari n'a aucun droit sur son héritage, comme j'ai dit, bi'idhnillahi ta'ala. Fadlak. Bismillah, fais sortir Inch'Allah, le son est clair. Fais sortir. Ok, Alhamdulillah. Alors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pouvez-vous m'expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de rester assidu dans l'adoration lors de la fitna, lors de fitna? Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Et lors de la fitna, quelle fitna? Subhanallah.
C'est ça la question, je sais pas si elle est claire, cher. Wallah. Assalamu alaikum pour rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pouvez-vous m'expliquer nous expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de rester assidu de l'adoration lors de la fitna? Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je veux faire la hijra sans argent. Ma question est la suivante. Si je meurs de faim ou autre, car je n'avais pas de moyens, est-ce considéré comme un suicide? Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, est-ce interdit de parler des gouverneurs en disant le mal qu'ils ont fait, dire leur cruauté qu'ils ont fait quant aux sœurs, par exemple, dit que Foulen, le gouverneur, était bien. Les questions, elles sont mal formulées, subhanallah, je suis obligé de les décortiquer. Est-ce interdit de parler au gouverneur en disant le mal qu'ils ont fait, dire leur cruauté qu'ils ont fait quand une sœur, par exemple, dit que Foulen, le gouverneur, était bien, qu'elle est triste qu'il soit mort, est-ce permis de dire ce qu'il a fait de mal? Car la sœur dit, par exemple, il est peut-être martyr, mais elle ne sait pas le mal qu'il a fait. Est-ce interdire de dire qui ils sont vraiment? Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Dans un pays musulman, si une personne est victime d'injustice par une autre personne et qu'elle a dû aller au tribunal et que pendant 3 ans, on ne reconnaît toujours pas ses droits, et si cette personne se met en colère contre le système judiciaire du pays et contre le fait qu'il y a de la corruption, car elle ne veut pas donner de pot de vin pour son affaire, pour que son affaire avance. Est-ce que le fait d'être en colère et demander à Allah Azzawajal qu'il punisse les gens qui lui font obstacle et que ce comportement est-ce que ce comportement est considéré comme désobéissance et rébellion au gouverneur? Est-ce que les ministres et les juges et ceux qui travaillent pour l'État ont le même droit d'être obéis que le gouverneur? Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense et vous élève au degré des bien-aimés d'Allah. Je souhaiterais savoir si tout ce que vous venez de dire est valable pour nos époux. En fait, est-ce que nos époux sont nos gouverneurs? Je ne sais pas si vous avez compris, chir, je m'en excuse. Hafidhakumullah. Je ne sais pas combien de questions vous avez reçues là. Il faut qu'il. La personne qui a. Ibn Mustafa. La personne. Il faut qu'il donne le hadith sur le hadith. La question sur le hadith, Inch'Allah. Et je vais lire une autre question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala vous récompense de la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jour dernier et au paradis. Pouvez-vous me donner le numéro du hadith de Sahih al-Jami' que vous avez donné concernant la punition de ceux qui trichent dans la balance? Barakallahu fikoum. Je ne sais pas si toutes les questions vous les avez reçues. Allahumma amin, cher. Inch'Allah, je répète la question sur la première question que j'ai posée. Sur le. Non, ce n'est pas la première. Afwan. Je la cherche. Oh. Subhanallah. C'est la deuxième. Ibn Mustafa, je vous laisse le micro, je cherche la question, Inch'Allah, parce que le PV il est très très grand, donc c'est difficile à les retrouver. Je vous laisse le micro, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Je me suis juste permis de prendre le micro une seconde parce qu'il y a une sœur qui a posé une question qui a dit qu'elle s'est mariée et qu'elle a eu des problèmes avec sa femme, la famille de son mari, etc.
Elle dit que vous n'avez pas bien compris la question parce que, en fait, elle ne vit pas chez sa belle-mère. Donc, si vous pouvez revenir là-dessus, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Je n'ai pas compris la question, plutôt j'ai pas entendu la deuxième question, et je n'ai pas compris celle de, qui disait yani, qu'on peut parler du gouverneur, sa cruauté, etc. Salam alaikum, cher. En fait, la sœur, dans la question, elle demande si c'est permis. En fait, je pense qu'elle parlait de Muammar Kadhafi, Allahu alam. Ou un gouverneur qui est mort, de dire c'est le mal qu'il a fait, yani de le défendre, si vous voulez, même s'il a été injuste. Et de dire en fait ses défauts. Yani, le gouverneur untel, yani, c'était une mauvaise personne, il enfermait les gens en prison pour rien. Des exemples comme ça. Comme critiquer le gouverneur. C'est ça la question en fait. Je vous la relis, Inch'Allah, mais c'est dans ce sens-là qu'elle a été posée. Salamu alaykoum wa rahmatullah, cher. Est-ce interdit de parler de gouverneurs en disant le mal qu'ils ont fait? Dire leur cruauté qu'ils ont fait? Quand une sœur, par exemple, dit que Foulen, le gouverneur, était bien, qu'elle était triste qu'il soit mort, est-ce permis de dire ce qu'il a fait de mal? Car la sœur dit, par exemple, il est peut-être martyr. Yani, la sœur, en fait, c'est une discussion entre deux sœurs, si vous voulez, cher. Mais elle ne sait pas le mal qu'il a fait. Est-ce interdit de dire ce qu'ils ont fait vraiment? Yani, je vous explique, cher. Il y a deux sœurs qui sont en train de parler. Une, elle défend un gouverneur. Et il y a une sœur, elle n'ose pas lui dire. Yani, est-ce que c'est permis cette deuxième sœur lui dise, voilà, ce gouverneur-là, il était injuste, il n'était pas bien, il a fait ci, il a fait ça. En fait, parce que cette première sœur qui défend le gouverneur, elle ne sait pas le mal qu'il a fait. Vous avez compris, cher? Est-ce que la question est claire? Cher, vous avez compris, Inch'Allah? Taïeb, quelle question encore vous voulez, cher? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La question la numéro 2, ben c'est celle-là en fait. C'est celle-là la numéro 2. La question numéro 2, c'est celle-là. C'est sur les gouverneurs. Et après, il y a celle sur la personne qui a été victime d'injustice. C'est la question numéro 3. Je sais pas si vous avez compris. Allahu Cher, vous voulez que je fasse quoi là? Je vous relis les questions, les trois autres. Non, je suis là. Je suis là, bien. C'est-à-dire qu'il manque une question entre la première et la deuxième. Entre la première et la deuxième, chez moi, il manque une question. C'est la question avec le hadith, je pense. Assalamu alaikum, cher. Pouvez-vous m'expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de rester assidu de l'adoration lors de la fitna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je veux faire la hijra sans argent. Ma question est la suivante. Si je meurs de faim ou autre, car je n'avais pas de moyens, est-ce considéré comme un suicide? Jazakumullahu khairan. Donc voilà. Et après, il y a Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense et vous élève au degré des bien-aimés d'Allah. Je souhaiterais savoir si tout ce que vous venez de dire est valable pour nos époux. En fait, est-ce que nos époux sont nos gouverneurs? Je ne sais pas si vous avez compris la question, cher. Je m'en excuse. Hafidhakumullah. Et après, il y a Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah Ta'ala vous récompense de la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jour dernier et au Jannah, inshallah. Pouvez-vous me donner le numéro du hadith de Sahih al-Jami',
que vous avez donnée concernant la punition de ceux qui trichent dans la balance. Barakallahu fikoum. Donc voilà. Et après la question sur le hadith, je n'ai pas eu de réponse encore. Donc, mais j'ai lu les 5 questions là. Je vous laisse le micro, cher Inch'Allah. Même si aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on a perdu beaucoup de temps, comme on dit. Enfin, ensuite, je vais poser une question. Ibn Mustafa, pourquoi aujourd'hui des questions? Pourquoi aujourd'hui les questions n'étaient pas sur le site? Mustafa, pourquoi les questions aujourd'hui n'étaient pas sur le site? Pardon. Vous m'entendez, cher? Ah, mais bon, le mouchkil, le problème c'est que ce soit moi ou que ce soit le frère Ibn Mohamed, on n'a pas accès directement sur le site pour pouvoir récupérer les questions. Donc on ne peut pas activer. Pour poser des questions sur le site, donc on est obligé de refaire à l'ancienne. Donc il faut revenir les prendre en PV. Donc là, comme tout à l'heure, on a bien dit, j'ai bien enlevé les mains que pour simplement que les personnes qui ont des questions avec le cours lèvent la main. Inch'Allah, il y a eu des mains qui ont été levées, qui sont hors sujet. Donc, cher, il faut trier. Donc voilà quoi. Donc, Ibn Mohamed, si tu as quelque chose à dire, si toi tu as accès, fais-en part, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Non, moi non plus, j'ai pas accès. Il n'y a que Muslim qui peut. Par contre, cher, j'ai encore 4 questions, moi, de la dernière fois. Parce que vous aviez dit on va changer de sujet, mais qu'on allait revenir, Inch'Allah. Donc, j'ai encore 4 questions qui n'ont pas été posées la dernière fois. Pour plus tard, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Donc, là, je profite pour dire. À Ibn Mustafa et à Ibn Jazairi, de dire à Muslim, que c'est moi qui ai dit, qu'il vous donne le mot de passe, qu'il vous donne le code, comme quoi, on ne sait jamais, il est absent. Et la preuve, hein, ça fait 2 fois qu'il n'est pas venu. Donc on est resté comme ça avec des problèmes depuis 1 heure ou la 1 heure, maintenant. 1 heure exactement, chez moi il est 23 heures. 1 heure, on a répondu à 5 questions. Hein? Il lui dit que c'est moi qui dis, Inch'Allah ta'ala, qu'il vous donne, yani à vous 3. Car il arrive que deux ne viennent pas. Il arrive que deux ne viennent pas, ne vient qu'une personne. Regarde, 1 heure, on a répondu à 5 questions. C'est tout. 1 seconde, Inch'Allah ta'ala, je cherche le numéro du hadith. Donc pour le premier hadith qui dit, voilà, il a été affiché, une adoration période de trouble et de désordre est comme une hijra vers moi. Il dit pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Ça veut dire, ce hadith veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que le fait de faire une adoration, quand c'est la fitna, yani ça équivaut à une hijra vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pendant la fitna, il y a des fitna, seuls quelques-uns, yani restent debout. La plupart, ils tombent. Et yani perdent le contrôle et se dévient et partent vers des voies égarées ou là peut-être même apostasie ou la yadou billah. C'est pour ça que le fait de tenir pendant la fitna, c'est comme si tu tenais une braise de feu à la radine dans ta main, comme dans l'autre hadith authentique. Donc, pourquoi? Sinon maintenant, quand tout va bien, est-ce que c'est difficile d'adorer Allah? Tout va bien. On est, masha'Allah, il y a la sécurité, il y a l'argent, il y a la famille, il n'y a aucun problème. Donc, c'est très facile d'adorer Allah Azza wa Jal. Mais attends, quand il va y avoir la fitna, on va voir celui qui, yani, qui va rester yani, debout et celui qui va tomber. On va voir celui, on va voir le sincère et on va voir qui était yani, l'hypocrite. On va voir qui était le véridique, qui était le menteur. C'est pour ça que pendant la fitna, yani, l'adoration, yani, sa récompense devient beaucoup, beaucoup plus grande que pendant yani, la normale, pendant un temps normal. Non. Ce qui m'a fait vraiment, yani, ce qui m'a vraiment une fois, quand je l'ai entendu, ça m'a vraiment peiné. C'est quand j'ai entendu une fois, vous m'entendez d'abord,
Non. Quand j'ai entendu une fois, et j'ai entendu de qui? Si on m'avait raconté ça, je dis non, c'est pas vrai. Non, ce que vous dites, c'est pas vrai. Mais je l'ai entendu de la bouche. De la bouche de qui? Du frère. Du frère. Et la fitna s'est arrivée à lui, et spécialement à sa femme. Donc si c'est pas son mari qui m'a raconté, je n'aurais jamais cru. Regardez un frère, ce frère-là. Il est parti, mashallah, faire la hijra vers un pays que je ne veux pas citer, un pays musulman. Non. Avec sa femme reconvertie. Et je crois un ou deux enfants. Lui là-bas, il n'avait pas les papiers. Il est resté donc 2 ou 3 mois, et année. Ensuite, le visa est mort. Il était périmé et la police l'a attrapé. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont emprisonné. Donc ici, pour cette sœur, on dit ben, les gants et c'est ça. C'est une fitna. Donc là, elle doit l'aider, le soutenir, être avec lui, le faire patienter. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant son absence? C'est pas beaucoup absenté, peut-être 3 ou 4 mois de prison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a connu un homme sur l'Internet. Et elle a apostasie, elle a quitté l'islam et est partie avec cet homme revenu en France, c'est-à-dire elle a fait la hijra vers lui. Maintenant, auparavant elle a fait la hijra vers le pays musulman, maintenant elle fait la hijra du pays musulman vers le pays kafir et vers le kofar. Le kafir, elle va pour aller vivre avec lui, elle vit maintenant avec lui en concubinage. Elle a dit, il n'y a plus le prophète, il n'y a rien, c'était pas un prophète, c'est rien. Je dis, Subhanallah, hasbunallah, ni'mal wakil, pour quelqu'un yani, qui est en prison. Donc lui, ce frère-là, c'est une fitna pour lui ou pas une fitna? Il aurait pu, quand il sort aussi, il jette tout. Mais lui, il est mashallah. Bien sûr, il est tombé malade un certain temps, c'est normal. Ça doit lui être. Il a reçu un coup de poignard dans le cœur. Non, mais, chauffe, mashallah, Allah Ta'ala a raffermi son cœur. Non, il a quoi? Il a patienté. Et je crois que très bientôt, inchallah, il va se marier, si ce n'est qu'il s'est marié. Il faut regarder les fitnas, comment qu'elles viennent et comment yani, les gens sont dans la fitna. Certains tombent carrément et d'autres yani, maintiennent, ce sont les véridiques. Ce sont ceux qui yani, sont rentrés dans cet islam-là, appliquent pour Allah, non, pour son paradis et pour être préservés de l'enfer. Ce n'est pas pour des buts de cette dunya. J'applique, mais. Si je trouve un homme qui est plus riche, je quitte. J'applique, mais si je trouve ceci, cela, j'abandonne. Si j'ai une petite fille, on me donne une gifle, j'abandonne. Non, regardez, subhanallah, en prison, quelqu'un a besoin de qui? Il a besoin de sa femme. On a fait la hijra pareil. Si maintenant je suis en prison, tu ne me secondes pas. De qui aurais-je donc besoin? Je n'ai besoin de personne. C'est pas toi, ma femme, qui vient me seconder. Et voilà que j'entends, elle est avec un autre homme. Et si au moins elle était avec un autre homme, c'est moins grave. Elle peut aller faire la tawba et revenir. Maximum, elle a fait zina. Maximum. Mais celle-là, elle a apostasie, oulayadou billah. Apostasie. Elle vit maintenant en France avec le bonhomme qu'elle a connu sur le chatting, ou comment ça s'appelle. Aoudou billah. Aoudou billah, yani. Comment yani, les gens peuvent yani, arriver à ce point. Je connais le haq. Je connais la vérité. Je la délaisse si je vais dans mes passions, dans mes tentations. C'est vraiment difficile, il faut dire que c'est grave. C'est difficile et c'est grave. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, tant que tu n'as pas mis les pieds dans la tombe, il faut avoir peur. Non. Tant que tu n'as pas mis les pieds dans la tombe, tu n'es pas encore mort. D'une bonne yani, façon de mourir, tu n'es pas encore mort. Non. Ça veut dire qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver d'ici demain, d'ici une demi-heure. Où est la preuve que moi qui suis en train de vous parler, ou vous qui êtes en train de m'écouter, qu'on ne va pas apostasier? Où est la preuve, nous aussi? Non, rien n'est sûr. Il faut beaucoup faire de doigts et ne jamais dire non. Ça ne peut pas m'arriver. Ça arrive seulement à cette femme. C'est elle que ça lui arrive. Nous, ça ne nous arrive pas. Non, jamais il faut dire ça. Il faut toujours avoir peur. Et dire comme ça lui est arrivé, ça peut m'arriver au layyadou billah. Donc, je dois, inchallah ta'ala, faire beaucoup de doigts et remercier beaucoup Allah ta'ala chaque jour d'être toujours sur le droit chemin. Chaque jour. Même chaque jour, tu dis, alhamdoulilah, ya Rabbi, avant de dormir, bien le matin, alhamdoulilah, ya Rabbi, que je suis toujours sur le droit chemin. Je vous demande, ya Allah, aussi aujourd'hui, de m'aider, de raffermir mon cœur.
pour que yani, ça reste propre, ça raffermit jusqu'au soir. Car comme dans le hadith sahih, la personne, il mâche Allah le matin, il kafira le soir. Elle est kafira le soir, musulman le matin, et ça change. On revient à nos questions, inshallah ta'ala. Que peut-être, même je suis sûr que peut-être certaines sœurs qui m'entendent, peut-être qu'elles connaissent cette sœur-là, peut-être qu'elles ont dû la connaître. Peut-être qu'ils ont dû la connaître, Allah ta'ala. De toute façon, c'est elle la perdante. Hein. L'islam n'a rien perdu. Est-ce que l'islam affaiblit? L'islam affaiblit quand elle l'a quitté, elle. Est-ce qu'elle a fait du tort à l'islam? Elle a fait du tort à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maintenant va dire, oh, celle-là, elle m'a fait mal, yani, en quittant l'islam. C'est seulement elle la perdante. Si tous les gens de ce monde, y compris les djinns, tous les esprits, tous les démons, là, vont se mettre d'accord pour devenir kuffar, ça ne fera aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun tort. Et si nous tous, avec les esprits, non, on va tous mettre d'accord pour devenir des musulmans, ça ne fera aucun bien à Allah. Ça n'ajoutera rien à son bien. Non. C'est justement, c'est seulement pour nous. Pour nous, contre nous, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. On va dans l'autre hadith qui a dit, parler du mal du gouverneur, leur cruauté, etc. etc. Il y a un hadith sahih. Qui dit que il ne faut jamais insulter les morts. Il ne faut jamais insulter les morts. Surtout, surtout, si c'est un mort musulman. Pourquoi? Le hadith a dit « Faqad afdal ila amaliyan »« Faqad afdal » C'est-à-dire que khlas, ils ont terminé ce qu'ils ont fait, ils sont maintenant devant leur récompense, soit une bonne, soit une mauvaise. Maintenant, toi, en parlant de lui, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. S'il était bien, il sera toujours bien. S'il était mal, il sera toujours mal. Donc parler, ça va rentrer dans le là-haut. Non, là-haut. Ça ne sert à rien de parler de quelqu'un qui est mort et surtout de l'injurier, de le critiquer, de ceci et de cela. Non. Maintenant, si quelqu'un va parler du bien de quelqu'un qui est mort, c'est quelque chose de bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous étions les témoins de qui? Les témoins des gens sur terre. Nous sommes les témoins des gens sur cette terre. Naam. Et Ibrahim alayhi salam a dit dans le Coran, comme Allah Ta'ala a dit, وَجْعَلِّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجْعَلِّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Ibrahim a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que les gens yani, lui fassent des éloges quand il le cite. Naam. Donc surtout quand quelqu'un meurt, et les gens parlent de lui de bien, ça veut dire que yani, cette personne est masha'Allah. Et maintenant, si la personne est morte, naam, et qu'on commence à l'injurer, etc., ce n'est pas bien, il y a un hadith qui est interdit. Maintenant, si on va citer qu'il avait fait des choses mal, ce n'est pas interdit à ce que je sache. Pourquoi? Ce qui est interdit, c'est quand la personne est vivante. Pourquoi c'est interdit quand le gouverneur est vivant de parler de mal en lui? Pourquoi? Ça risque de quoi? Ça risque d'exhorter les autres, de les inciter à se rébeller. Moi, quand du matin au soir, quelqu'un n'arrête pas de me dire, je vais m'asseoir dans un café, du matin au soir, les gens parlent du gouverneur. Par exemple, prenons Bouteflika, là en Algérie. Bouteflika est ceci, c'est un voleur, c'est ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il a tué des milliers, il a ceci, il a cela. Hein? Qu'est-ce que ça va faire? Que je le veuille ou pas, ça va donner de la haine dans mon cœur. Une petite haine, ensuite une grande. Ensuite, un jour, je vais dire, il faut que je prenne les armes. C'est pour cela que, même le gouvernement, quand il n'est pas bien, c'est pas bien de parler en lui, comme ça, devant tout le monde, et surtout, devant les gens de la masse. Surtout. Les gens de la masse, ils n'ont pas de science. Ils n'ont pas de balance. Là, en 5 minutes, il peut prendre les armes et ils s'en foutent. Ils s'en foutent, là. Ils ne voient pas loin. Au bout de son nez, c'est tout. C'est pour ça qu'il est interdit de parler d'un gouvernant en mal en présence des gens. En présence des gens. Maintenant, s'il est mort, on dit il a fait cela, il a fait. Ce n'est pas interdit à ce que je sache, Allah subhanahu wa ta'ala, à condition qu'on ne monte pas sur lui, qu'on ne monte pas sur la personne. Vous avez remarqué maintenant, subhanallah al-azim, comment dans le monde arabe,
comment les choses ont changé. Hein, comment les choses ont changé et ce qui arrive aux gouvernants. Et ce qui arrive aux gouvernants. Et il y a des gouvernants qui, yani, il n'y a point de doute qui sont musulmans. Et d'autres, naam, pour certains, même pour des savants, où il y a des doutes. Est-ce que c'est musulman ou c'est pas musulman? Naam. Donc, maintenant, je veux dire que le mieux serait de garder sa langue, naam, de ne pas trop parler, pour ne pas se tromper ensuite, regretter quand c'est trop tard. Si on parle, on parle de bien. Et si c'est quelque chose de mal, on dit que là, maintenant, il est mort. S'il a fait du mal, sûrement que, si Allah ta'ala ne va pas lui pardonner, sûrement que il va payer. Sûrement que il va le payer. Maintenant, si jamais, quelqu'un voudrait seulement mon avis, moi, ça c'est seulement mon avis. Il ne faut pas dire que ce sont les savants qui ont dit ça. C'est seulement mon avis, et je peux être dans le faux. Je peux être dans le faux. Si je suis dans le faux, puisse Allah subhanahu wa ta'ala me pardonner. En parlant de Kadhafi par exemple, je n'ai pas aimé la façon dont il a été tué. Je n'ai pas aimé la façon, plutôt pas dont il a été tué, la façon, yani, dont il a été, yani, de ce qu'on lui a fait comme ça à la télé, etc. Je n'ai pas aimé cette façon. Je ne croirais pas, d'après ce que je connais, Allah alam, d'après ce que je connais de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne pense pas que s'il était vivant, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, en attrapant quelqu'un, il aurait fait avec ça, comme ça avec lui. Wallahu ta'ala alam. C'est fort possible, peut-être à 70% que je me trompe. Et que peut-être je suis en train de parler avec des sentiments. Allahu alam. Mais je vous ai juste dit mon avis. Je vous ai juste dit mon avis. Si j'ai dit juste, c'est Allah Ta'ala qui m'a dit, aidé. Si j'ai dit faux, je vous ai dit, c'est un sentiment que j'ai ressenti. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Muhim. Pour le tribunal, la personne dit, si maintenant il y a la corruption, il y a, etc., je me mets en colère et je parle, etc. Je dis. L'islam ne t'a jamais interdit de demander tes droits. L'islam ne t'a jamais interdit de demander tes droits si on veut te les usurper. On veut te prendre des droits. L'islam te permet, tu es en colère, de demander tes droits. Monsieur Smahdi, vous m'avez lésé, vous m'avez fait du tort, vous m'avez volé. Voilà la preuve. Hein. Ça, ce n'est pas de la rébellion. Quand tu parles comme ça avec le juge ou là, avec je ne sais pas qui, le directeur, là, tu n'as pas fait de rébellion. Tu veux seulement demander tes droits. Là, tu veux demander seulement tes droits et lui montrer qu'il est dans l'erreur, qu'il s'est trompé en faisant ainsi cela. Ce qui est interdit, c'est de baver, yani, exciter ou là, inciter les gens pour qu'ils viennent yani, se révéler, prendre les armes contre le gouverneur. Mais si c'est entre toi, une personne ou là, le responsable, tu lui dis... Vous êtes trompé en telle chose ou en telle chose, ou là vous m'avez pris mon doigt, ou là vous êtes trompé. Hein. Ça n'a rien à voir avec la rébellion d'Ibn Aïtad. Ensuite, la personne dit est-ce que les ministres, les juges, etc., sont quoi? Sont, yani, rentrent dans le fait d'obéir au gouvernant. Le gouverneur, Naam, il va quoi? Il va mettre, yani, des. Je ne sais pas comment on appelle ça, des. Qui gouverneur un peu partout dans son pays. À cela tous, tu dois obéir, Naam. Qu'est-ce que ça veut dire obéir, Naam? Tant qu'il t'ordonne quelque chose qui n'est pas contraire à la charia. Naam? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que je ne lui montre pas, par exemple, qu'il s'est trompé dans cette chose. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je ne me rebelle pas contre lui. Naam. Nos époux. La question dit, nos époux sont-ils nos gouverneurs? L'époux n'est pas le gouverneur. Ou alors disons, l'époux c'est le gouverneur de la maison, c'est tout. L'époux c'est le gouverneur de la maison. L'époux, quand tu lui obéis, bidna azzawajal, hein, tu as beaucoup, beaucoup de récompenses que beaucoup de hadiths ont cité. Beaucoup de hadiths ont cité quoi? Ont cité les récompenses que la femme a en obéissant à son époux. Mais c'est pas, il n'a pas les mêmes droit qu'à un gouverneur. Il a peut-être des droits, peut-être je dirais même peut-être plus qu'un gouverneur, mais les droits du gouverneur sont des droits spécifiques. Là, où on doit lui faire l'allégeance, etc. Notre mari, non. Si
si on lui fait l'allégeance, c'est de lui obéir, yani, tant qu'il est mon mari, lui obéir dans la chose qui est permise par Allah Ta'ala. Ce n'est pas lui obéir dans le haram, comme font certaines femmes, ou l'ayadu billah. Non. Enfin, pour le hadith qui dit que Allah Ta'ala, yani, met au-dessus de nous des gouverneurs qui sont injustes si nous on triche dans la balance, etc. Donc le hadith, il se trouve dans le Jami' al-Sahih, sous le numéro 13938. 13 000. Ibn Muhammad écrit. Sahih al-Jami'. Sahih al-Jami' 13938. Sahih ibn Majah. Écrit. Sahih ibn Majah. 4019. Hadith numéro 4019. Sahih Targhib. Sahih Targhib. Sahih Targhib. Peut-être qu'il a déconnecté. Salaf écrit. Salaf écrit. Sahih Targhib. 185. Tome 1, page 185. Voilà. Silsila Sahiha. Silsila Sahiha. Silsila Sahiha. Hadith numéro 106. Silsila Sahiha. Hadith numéro 106. Non. Non. Ibn Mustafa, non. Tu as écrit tome 1, page 185, Silsila Sahiha. Non, si c'est la Sahiha, hadith 106. Mais tome 1, page 185, c'est Sahih Targhib. Ibn Mustafa, pour que tu corriges, Inch'Allah Ta'ala. Tayyip, donne-moi, Inch'Allah Ta'ala, les 5 dernières questions. Tfadbal. Assalamu alaikum, cher. Vous avez du son, Inch'Allah. Alhamdulillah. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cher, Allah vous préserve. Avant ma conversion, il y a 7 ans, j'ai eu une fille avec un nom musulman. Je suis séparé de lui, walhamdulillah. Elle vit avec lui depuis ses 3 ans. Elle en a 10 maintenant. Son éducation est celle de son père et celle que son père lui donne, c'est-à-dire d'une éducation de kuffar. Plus elle grandit et plus je déteste les actes de ma fille. Je ne me sens pas proche d'elle. Je viens la visiter dès que je peux. Mais je n'ai pas pour elle les mêmes sentiments que j'ai pour les 2 autres enfants qui ont eu une éducation musulmane. Walhamdulillah. Je lui ai proposé de venir vivre avec moi, mais elle a refusé. Conseillez-moi, cher, s'il vous plaît, comment dois-je me comporter avec elle et comment lui faire aimer la vie que je lui propose. Barakallahu fikoum. Deuxième question. Assalamu alaikum. Barakallahu fikoum. La Libye, le pays qui était le plus riche de l'Afrique, est maintenant détruite et en feu à cause des Khawarij et de l'OTAN. Les Koufars ont ramené les Khawarij qui ont combattu en Irak, en Afghanistan et en Libye. Et ils ont lâché des Khawarij de Guantanamo pour les amener en Libye. Maintenant, le pays est gouverné par des Khawarij. Allahu alam. Sachant que l'OTAN a tué des milliers de civils et jeté 30 000 bombes. Que les rebelles ont volé et ont commis toutes sortes de massacres parmi la population, coupé des têtes, brûlé en vie, coupé des mains et pieds, arraché le cœur, violation, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Tout cela témoigné par beaucoup de journalistes et de Libyens sur place. La population a-t-elle le droit de rentrer dans la fitna et combattre ces Khawarij meurtriers et les koufars de l'OTAN qui veulent prendre la richesse de leur pays? Pourquoi les savants salafis ne permettent-ils pas de se défendre à l'invasion des koufars et de la perversion des Khawarij actuels dans le cas de la Libye? Qu'Allah Ta'ala accorde la guidance et la patience au peuple libyen qui souffre énormément. Qu'Allah Ta'ala nous préserve du mal des koufars et des khawarij. Hafidhakumullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah Ta'ala vous donne la patience et la santé pour vous permettre de continuer vos cours encore longuement, Inch'Allah. Et qu'il vous élève en degré ainsi que les admins. Allahumma amin. Le verset qui dit Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'est pas disposé à changer. Peut-il être utilisé comme argument contre les Khawarij et Takfiri en leur disant que ce n'est pas à eux de se débarrasser du gouverneur, que c'est au peuple de se mettre bien dans le droit chemin. Sirat al-Mustaqim. Le chemin tracé par les prophètes, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba radiallahu ta'ala anhum, et bi-idnillah, le pouvoir changera demain. Ou bien faut-il comprendre ce verset autrement? Barakallahu fekoum, cher. Question en rapport avec le cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah Ta'ala vous accorde la patience et la santé. Celle-là, je l'ai lu, celle-là, afwan, cher. Une autre question avec le cours, afwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, subhanallah, c'est tout mélangé avec le Mustafa, afwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, cher. Une sœur à sa mère qui est algérienne et elle n'accepte pas la pratique du dîn de sa fille car elle fait un amalgame entre ce qui s'est passé en Algérie et l'islam. Elle croit que sa fille est d'accord avec les actes terroristes et elle ne croit pas quand elle lui explique le contraire. Pouvez-vous expliquer à sa mère que ce qu'on fait des takfiris en Algérie était contraire à l'islam et que ce sont des égarés? Par exemple, que l'on ne doit pas tuer les femmes si elles ne se voilent pas, etc. Qu'Allah Ta'ala vous récompense et vous guérisse, cher. Encore une, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. Une fois, j'ai dit à un takfiré le hadith de l'esclave éthiopien et il m'a dit que celui-ci, l'éthiopien, est un adorateur Abdan Habasha. Et il m'a dit qu'à la fin du hadith, parlait des personnes qui protègent le Masjid Al-Aqsa. Et il prétend que le Hamas. Et il prétend que c'est le Hamas. Allahu alam. Comment lui répondre, cher Hafidakumullah? Je ne sais pas si vous avez tout entendu, Inch'Allah. Non, elle était. Ibn Muhammad, la sœur en fait, elle n'était pas convertie en fait. Allahu alam. Elle était kafira à ce moment-là et lui c'était un kafir aussi. Allahu alam. Je pense que c'est ça. Je tournerai. Non, c'est bon, j'ai reçu. Ok, alhamdulillah. Cher, je vous laisse le micro, Inch'Allah. Je ne sais pas si tout a été clair, si les questions elles ont été claires. Si vous avez besoin que j'argumente quelque chose, Inch'Allah, je laisse le micro, Inch'Allah. En fait, la sœur n'a pas dit si elle était mariée avec le kafir ou pas, avant la reconversion. Il faut ou bien qu'elle était mariée ou bien qu'elle vivait en concubinage. Il n'y a pas autre chose. Ce que je cherche, c'est est-ce qu'elle était mariée avec lui ou elle n'était pas. Ça dit wahda. Deuxièmement, pour le hadith que tu viens de citer, Ada, le dernier, pas marié, voilà. Le hadith que tu as cité, le dernier, pour dire la vérité, je n'ai rien compris de ce takfiré, qu'est-ce qu'il a dit de ce habashi, ou là, qu'est-ce qu'il a dit que. Il a dit. J'ai rien compris, Wallah, pour dire la vérité. Ensuite, pour la personne qui a dit que sa mère mélangée avec ce qui s'est passé en Algérie, est-ce que sa mère est en train d'écouter? Tadda. Assalamu alaikum. Fais sens, Inch'Allah. Inch'Allah, cher, je vais vous relire la question, Inch'Allah, bidnillah, sur le hadith, mais même moi, je vous dis honnêtement, elle est ambiguë. Elle est très mal écrite et je sais pas, les gens, ils écrivent pas clairement, cher. Donc, des fois, je suis même obligé d'adapter la question aux mots. Tellement que c'est un peu difficile. Donc, je vous demande pardon. Et, alors, sur la question.
Ah, question. Assalamu alaikum, hafidhukumullah, cher. Une fois, j'ai dit à un takfiri le hadith de l'esclave éthiopien. Et il m'a dit que celui-ci, Al-Habashi, était un adorateur Abdan, Habasha. Et il m'a dit que la fin du hadith parlait des personnes qui protègent le masjid Al-Aqsa et il prétend que c'est le Hamas. Comment lui répondre, cher? Hafidhakumullah. C'est tout ce que j'ai, mon cher. En fait, ce Khariji, il dit quoi, en fait? Que avec le hadith, avec même si l'esclave abyssinien est fouette ton dos, je pense, Allahu a'lam, tu dois obéir au gouverneur. Je sais pas du tout quel hadith il parle, c'est ça le problème. Les gens, ils n'envoient pas le hadith avec. Comprenez, cher? Cher, Wallah. Voilà, je vous laisse le micro, Inch'Allah. Tafadhal, cher. Le problème n'est pas dans le hadith. Le hadith, il est clair, il est connu. Mais le mot que tu as dit, Abdan, Jabdan, je ne sais pas quoi, le mot, c'est chinois. Enfin, peut-être qu'il a parlé en chinois. Chauve, je t'ai donné une solution. Fais un copier-coller. Fais un copier-coller du hadith, puis idnillah subhanahu wa ta'ala, on va le lire. Salam alaikum, cher. Tout simplement, en fait, le frère, il a traduit éthiopien en arabe, abchien. Adam. D'accord, maintenant j'ai compris. Sahab, Abdel Habashin. Donc maintenant, où est la contradiction où est Ibn Jazayri ou la Mustafa? Qu'est-ce que vous avez compris de ce hadith? Quand il a dit que c'est un adorateur à Abdel Habashin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et la fin du hadith, qu'est-ce qu'il veut dire? Il prétend donc que c'est le Hamas yani, qui protège le Masjid Al-Aqsa, c'est ça. Donc ils sont sur le droit chemin et qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent le Masjid. Moi, ce que j'ai compris, cher, c'est que dans le hadith sur Abd al-Habashi, sur l'Abd al-Habashi, il dit qu'à la fin, il est parlé du fait que le Masjid al-Aqsa sera protégé. C'est le Hamas qui. Alors, ces personnes, ils prétendent que c'est le Hamas qui protégera, enfin, en ce moment, qui protège le Masjid al-Aqsa. Donc, que c'est eux dont le prophète a.s.w. parle dans le hadith. Donc, comment vous répondez à cette personne? Wallahu, c'est ce que j'ai compris. Et Mohamed, j'ai pas compris la relation entre le Hamas qui protège le masjid, d'accord, et Abd al-Habashiyyin. Tfadlal. Lui dit que c'est dans la fin du hadith. Moi, je ne connais pas cette version non plus, mais il dit que dans la fin de ce hadith, où le prophète A.S. parle de l'esclave éthiopien, il dit qu'à la fin, le prophète A.S. parle aussi du fait que Masjid al-Aqsa sera protégé. Dans le même hadith, en fait. C'est juste pour dire que ça vient du même hadith que le hadith de l'esclave éthiopien. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette version, cher. D'accord. Si dans la fin du hadith, il y a que le masjid va être protégé, est-ce que dans le hadith, il y a qu'il va être protégé par Hamas? Est-ce qu'il y a ça? S'il y a qu'il va être protégé, l'âme sera protégée, mais il n'a pas dit par Hamas. Je te donne le micro. Où est la preuve que c'est par Hamas? Mais en fait, il dit justement que c'est cette personne qui dit que c'est le Hamas. Donc, comment on lui répond? Et vous avez répondu qu'il faut qu'il y ait une preuve de sa part. C'est lui qui doit prouver que c'est le prophète A.S. parlait du Hamas. C'est ça, en fait. C'est une question, en fait, qui est pas très très claire. Mais vous avez répondu indirectement, cher. Wallah, celui, la personne qui croit toujours, avec bonne intention, etc., que le Hamas Adam, il peut te ramener la charia, il peut te ramener la loi d'Allah, etc., etc. Wallah, celui-là, c'est un miskin. C'est un miskin, un grand miskin. Un grand égaré miskin. Pourquoi? Parce que c'est une preuve que quoi? C'est une preuve que cette personne ne connaît rien du dîn. Car la personne qui connaît bien le dîn et en même temps connaît les gens de Hamas, elle sait que le dîn est à l'est, Hamas est à l'ouest. Le dîn est dans les sept cieux, Hamas est dans le plus profond de la terre. Mais celui qui ne connaît pas les Hamas,
ou alors ne connaît pas le dîn. Il croit qu'ils sont des mashallah, Hamas, de temps en temps, ils lancent une roquette vers les Yahoud, mashallah, ils tuent une ou deux personnes tous les 40-50 ans de juifs, mashallah. Et les juifs, chaque mois, ils tuent 10, 15, 20, 30. Non, ils disent le Hamas, ils sont mashallah. Si tu savais, c'est quoi yani, vraiment le dîn, jamais tu ne ferais confiance en quelqu'un de Hamas. Et jamais tu ne dis que celui-là c'est un bon musulman. Jamais. Tu diras, bon, c'est un musulman, bien sûr, que la prière, il fait ceci, il fait cela, et peut-être que quelqu'un de Hamas connaît le dîn, jamais, c'est impossible. Celui de Hamas, c'est un spécialiste. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît la politique. La politique, c'est un spécialiste. Prends quelqu'un de Hamas, il va citer tous les présidents du monde. Leur date de naissance, quand est-ce qu'ils sont morts, quand est-ce qu'ils sont mariés, leurs épouses, qui est au Parlement, qui n'est pas, qui est maire, qui est président de la République, tous les journaux, il connaît tous les journaux du monde, il les a lus. Le Figaro, le Monde, je ne sais pas comment ça s'appelle, les journaux d'Oukia, tous, il les lit du matin au soir. Voilà Hamas. Un dîn politique basé sur comment prendre les rênes du pouvoir. C'est tout. Ni dîn, ni rien. Un petit hadith, il ne le connaît pas. Donne-lui le hadith le plus forgé, le plus menti, il va te dire, je ne l'ai jamais entendu, ou bien il va te dire, c'est un hadith authentique. Rien, rien dans la religion. Et pire alors, dans quoi? Dans la aqida. Pire, la catastrophe. La catastrophe. Chauffe. Hosmo, Hamas et la aqida, la vraie aqida, ça fait deux. Il est impossible que quelqu'un de Hamas puisse parler 5 minutes, 10 minutes dans la Aqida. Impossible. C'est pour cela que, yani, comment Allah Ta'ala va donner victoire à des gens pareils. Des gens qui ne connaissent pas Allah. Ils ne le connaissent pas. Tout juste, ils disent qu'il existe. Allah Ta'ala, il existe. Ce sont tous Aqida Asha'ira, Aqida Maturidiya, des Mu'tazili, des catastrophes. Catastrophes. Non. Et cela, yani, je peux pas parler, c'est très long à parler. Enfin, c'est très long à parler sur eux. Ça risque de prendre des heures et des heures. Des heures et des heures. Entre quelqu'un de Hamas et quelqu'un de Salafi, c'est comme entre le ciel et la terre. Non, la différence, c'est comme entre le ciel et la terre. Déjà, pour savoir si quelqu'un est Salafi ou n'est pas, non, tu vois yani, sur quoi il se base, c'est tout. Et la première réponse de la question que tu voudrais savoir, si, c'est de savoir, peut-être c'est la personne, est-ce que c'est quelqu'un qui donne l'importance à la aqida d'abord, ou bien à la politique et à ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde, et ce qu'il y a, les révolutions, les foires, les épées, etc. Non. Ça l'intéresse beaucoup. Il pourrait parler des heures et des heures sans te dire je suis fatigué, celui qui est le Hamas. Mais bien, on parle un peu d'aqida, on va dire... l'Oma, Cheikh al-Ihtiqad, on va dire Cheikh ibn Uthaymin dans l'Aqida, il peut dire oh non, c'est pas le moment, ensuite je suis fatigué, ensuite ça peut faire des fitnas. L'Aqida, ça peut faire des fitnas, comme disait Hassan Benna. Comme ça, il disait Hassan Benna, le grand chef, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il ne faut pas dire des choses pareilles, on ne va pas parler dans des choses, ça risque de nous diviser. Non, c'est vrai, ça nous divise. C'est vrai, ça nous divise. Non. Hasbunallah anim al-wakil, c'est tout ce que je dis. Hasbunallah anim al-wakil, donc ce n'est tout ce que je voulais dire. Pour terminer, est-ce que la mère montante, c'est la dernière fois que je répète cette question, est-ce que la mère de la sœur montante, justement pour ne pas perdre de temps, je réponds à la personne qui a dit le verset Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que ce peuple lui-même change. Est-ce qu'on peut l'appliquer contre les tkfir, etc.? Naam, naam, les savants ont toujours appliqué de tous les temps ce verset. Naam, je dis aux tkfir, Allah Ta'ala ne va pas changer jusqu'à ce que nous, rien dans le on n'est rien dans la aqida, on est des égarés, on est loin, Allah Ta'ala ne va rien changer en nous et ne va pas nous donner la victoire. S'il nous la donne, c'est une fitna. Ça va rester jusqu'à ce temps. Ça va partir comme il l'a donné en Afghanistan. Il a donné la victoire contre qui? Contre les Russes. Est-ce qu'ils sont arrivés à leur fin? Ils ont pu faire un État islamique en Afghanistan?
c'est toujours des assassinats et ils s'entretuent, iyadou billah. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis que na'am, na'am, Allah Ta'ala ne va pas changer un peuple jusqu'à ce que le peuple lui-même change bi'idhnillahi ta'ala. La mère n'entend pas, mais la sœur enregistre et la fera écouter à sa mère. Taïb, je lui réponds en français ou en arabe. Et si elle est prête à enregistrer, elle me dit. Est-ce qu'elle est prête? Donc, bismillah ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala ashraf al-mursalin. Je voudrais dire, inshallah ta'ala, que ce qui s'est passé en Algérie, de, disons, l'année 90 à 97, 98, disons, de la décennie, ce qui se passait et ce qu'il y avait comme fitna et comme mort et comme les gens s'entretuaient, comme des gens, les têtes décapitées, des bombes, tout cela n'a rien à voir avec l'islam. Tout cela. Ce n'est ni Allah Ta'ala, ni son prophète Hassan qui ont exhorté à faire cela. Mieux encore, Allah Ta'ala et son prophète ont interdit ces choses. Ont interdit ces choses de s'entretuer, hein, les musulmans contre les musulmans. En islam, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle terrorisme. Maintenant, ce sont les kofars qui veulent nous coller cette chose, cette étiquette comme quoi c'est le terrorisme. Il n'y a pas en islam quelque chose qui s'appelle le terrorisme. Non. Le terrorisme, là, ça a été inventé par qui? Par les kofars pour faire peur aux gens, pour qu'ils n'acceptent pas cet islam. Seulement, il y a un verset où Allah Ta'ala a dit, quand il y a des kofars, vous voulez leur faire la guerre, il faut bien vous préparer et être armé de façon à terroriser l'ennemi. Ça, c'est vrai, l'ennemi, le kafir. Même l'ennemi, le kafir, c'est comme les kofars qui sont venus en Algérie ici. Et ils ont pris l'Algérie combien, je ne sais pas combien d'années de force. Hein? Si c'est possible de le terroriser, c'est permis. Mais entre musulmans, couper les têtes, déposer des bombes, faire sauter des têtes et tuer des gens, tuer des femmes, tuer des bébés, tout cela, l'islam l'interdit d'une interdiction catégorique et absolue. Il n'y a rien de ces choses-là en islam. Hein? Tout ce qui fait ça au nom de l'islam est un menteur. Tout ce qui fait ça au nom de l'islam, c'est un grand ignorant. C'est un grand ignorant qui ne connaît rien de l'islam. L'islam, c'est faire la prédication aux gens, leur montrer le vrai chemin, leur faire la da'wah, leur montrer les versets, les hadiths, la douceur, la sagesse. L'âme, quant à tout ce que croient les gens, ce qui s'est passé ici, c'est contraire à l'islam et à la guidance du prophète, alayhi salam, et tous les savants et tous les musulmans se désavouent de ce qui s'est passé. Bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va arrêter inshallah ta'ala pour aujourd'hui. Il est déjà presque minuit. On va se rencontrer inshallah ta'ala. Aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est mercredi. On va se rencontrer inshallah ta'ala samedi. C'est quelle question? Assalamu alaikum, cher. Vous avez du son, inshallah? La question en fait, attendez, je vais la reprendre, Inch'Allah. C'est la question de la sœur qui Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. Avant ma conversion, il y a 7 ans, j'ai eu une fille avec un non-musulman. Elle n'était pas musulmane aussi. Je me suis séparé de lui, walhamdulillah. Elle vit avec lui depuis ses 3 ans. Elle en a maintenant 10. Son éducation est celle de son père. C'est une éducation de mécréants. Puis, elle grandit. Plus elle grandit, plus je déteste les actes de ma fille. Et je ne me sens pas proche d'elle. Je viens la visiter quand je le peux, mais je n'ai pas pour elle les mêmes sentiments que j'ai pour mes deux autres enfants qui ont eu une éducation musulmane, walhamdulillah. Je lui ai proposé de venir vivre avec moi. Elle a refusé. Conseillez-moi, cher, s'il vous plaît. Comment dois-je me comporter avec elle et comment lui faire aimer la vie que je lui propose? Barakallahu fikoum. Naam, donc je dis, vous savez que
Vous savez que, yani en islam, quand il y a zina, qu'il n'y a pas de mariage, que l'enfant appartient à la mère. Vous savez ça? Il appartient pas au père, il appartient à la mère. Je veux dire à cette sœur, bi-idhnillah, qui s'est reconvertie, alhamdoulilah, je veux lui dire, pourquoi elle n'a pas pris la garde de cet enfant? Non. Pourquoi elle n'a pas pris la garde de sa fille? Surtout qu'en France, wallahu a'lam, yani, la garde revient à la mère, si je ne me trompe pas. En France, non, je crois que la garde revient à la mère. Non, pourquoi la mère n'a pas profité pour prendre l'enfant à bas âge, pour lui donner yani, les grands principes au moins de l'islam, comme ça quand elle grandit, yani, elle a déjà un peu, yani, disons, les grands fondements dans son cœur. Maintenant, celle-là, elle est restée presque 10 années avec son père. Yani, ce n'est pas trop tard, je ne dis pas c'est trop tard. Mais je dis à cette sœur, bi-idhnillahi ta'ala, que elle doit faire des efforts, hein, pour qu'elle la prenne de temps en temps chez elle. Hein, pour qu'elle la prenne de temps en temps chez elle, quitte à yani, lui acheter des jouets, des je ne sais pas quoi, pour l'attirer. Et pour yani, lui inculquer le maximum de l'islam qu'elle puisse. Comme ça, pour que devant Allah subhanahu wa ta'ala, si elle ne veut pas accepter, au moins, inshallah ta'ala, tu auras établi la preuve sur elle, bi'idhnillah ta'ala. Allah ta'ala est témoin que tu as essayé, mais que son cœur est scellé et que, yani, disons, ce que tu lui dis n'arrive pas à toucher le fond de son cœur. Mais toi, pour te désavouer d'elle d'abord, il faut d'abord essayer. Pour essayer, naam, tu as plusieurs tentations, bi'idhnillah ta'ala, pour essayer de la rapprocher. Ensuite, je sais que Yani, à 10 ans, elle est encore influençable. Reste seulement, il faut yani, lui, je sais pas comment on dit le mot en français, yani, il faut que yani, lui achète des choses, etc., pour l'attirer. Quand elle commence à renouer des relations avec sa mère, elle commence à aimer sa mère, elle commence à ressentir de la douceur envers elle, etc., elle commence à quoi? À accepter d'elle, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle ne doit pas dire je me désavoue d'elle, mais elle doit faire tout son possible pour essayer de l'attirer vers elle et de lui inculquer le maximum de ce qu'elle connaît, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, et de faire beaucoup de doigts, hein, car elle ne doit pas oublier que c'est sa fille. Elle ne doit pas oublier que c'est sa fille. Et nous, on lui fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et yani, la seconde dans cette épreuve, bi-idhnillah ta'ala. Naam. Bismillah, assalamu alaikum, cher. Fais sens, inshallah. Il y a la question sur la Libye aussi, cher. Ibn Mustafa me l'a renvoyé, je vous la relis, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barakatuh, cher. Barakallahu fikoum. La Libye, le pays qui était le plus riche de l'Afrique, est maintenant détruite et en feu à cause des Khawarij et de l'OTAN. Les Koufars ont ramené les Khawarij qui ont combattu en Irak, en Afghanistan, en Libye, et ils ont lâché des Khawarij de Guantanamo, Allahu alam, pour les amener en Libye. Maintenant, le pays est gouverné par des Khawarij, sachant que l'OTAN a tué des milliers de civils et jeté 30 000 bombes, que les rebelles ont volé, ont commis de toutes sortes de massacres parmi la population, coupé des têtes, brûlé en vie, j'ai pas compris ça, mais bon. Coupé des mains, des pieds, arraché le cœur, violation, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Tout cela témoigne par beaucoup de journalistes et de Libyens sur place. La population a-t-elle le droit de rentrer dans la fitna et de combattre les Khawarij meurtriers et les koffars de l'OTAN qui peuvent prendre la richesse de leur pays? Pourquoi les savants salafiens ne permettent-ils pas de se défendre de l'invasion des koffars et de la perversion des Khawarij actuellement dans le cas de la Libye? Qu'Allah Ta'ala accorde la guidance et la patience au peuple libyen qui souffre énormément. Qu'Allah Ta'ala nous préserve du mal des kuffars et des Khawarij. Hafidhakumullah. Donc voilà, cher. C'est la dernière question, cher. À la fin de la question, tu as dit pourquoi les savants salafis? Qu'est-ce qu'ils font pas les salafis? Je pense qu'elle a voulu dire pourquoi il ne donne pas une fatwa pour se retourner contre les koffars.
Yani pourquoi il donne pas une fatwa pour aller faire le djihad, à mon avis, fisabilillah là-bas ou Allahu alam. C'est ce qu'elle a voulu dire. Allahu alam. Moi, ce que j'ai, c'est pourquoi les savants salafis ne permettent-ils pas de se défendre à l'invasion des kuffars et de la perversion des khawarij, actuellement dans le cas de la Libye. Allahu alam. Je laisse le micro, cher. Les salafis, les savants salafis ne permettent pas une chose pareille, ni incitent à une guerre pareille, parce que ce n'est pas un djihad. Non, ce n'est pas un djihad. Pour qu'il y ait un djihad et que les savants salafistes permettent, il faudrait qu'il y ait un imam. Il n'y a pas en islam djihad sans commandeur, sans imam. Tu comprends? S'il n'y a pas imam, il n'y a pas le président de la ville, qu'on appelle maintenant le président, par exemple, de chaque pays a son président. Si c'est pas sous l'égide du président, il n'y a pas. C'est comme dans le hadith Bukhari. L'imamu, il a dit, alayhi salam, l'imamu, il a dit, Junna. Junna, c'est-à-dire, c'est un bouclier. Il a dit, Yuttaqabih. On se cache derrière lui. On fait la guerre derrière lui, on combat derrière lui. S'il n'y a pas d'imam, tu n'as pas de bouclier. Tu es donc en train de t'entretuer avec des gens qui s'entretuent, des musulmans qui s'entretuent. Mais s'il y a l'imam, il déclare que c'est la guerre, c'est là que y a le djihad bi-idhnillah. C'est pour ça que les savants, non, ne permettent pas une chose pareille. Et ils vont dire, alors soulevez-vous les uns contre les autres et entretuez-vous. Tout ça, ce n'est pas permis, bilatala. Ils ne permettent pas parce qu'ils savent que c'est la grande fitna. S'ils vont prendre les armes les uns contre les autres, ça va être la grande fitna. Et encore, faut qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala que ça se termine bien en Libye. Encore maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, et il faut demander à Allah ta'ala que ça se termine bien, car on ne sait jamais dans quel quoi. On ne sait jamais dans quel sens ça va aller. Surtout que, comme il a dit ici dans la question, surtout que c'est plein de khawarij et c'est plein de tkfiriyin parmi les gens qui sont révélés. Plein de tkfiriyin, plein de khawarij. Et je ne crois que ce sont seulement eux qui sont révélés. Ce sont seulement eux qui se sont révélés. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des fitnas. Surtout où il y a effusion de sang. Effusion de sang. Est-ce qu'il y a un jeûne des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah? Naam, c'est permis, ou c'est même bien, de faire le jeûne des 9 premiers jours, car le 10e jour, c'est l'Aïd. Les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et ce n'est pas spécialement le jeûne, mais toute chose qu'on fait de bien, lire le Coran, dès que la Sadaqa, tout est bien, pendant ces 9 jours, bi-idhnillahi. C'est pas obligé, yani, de les jeûner tous à la fois. Celui qui peut un jour, celui qui peut jeudi et lundi, celui qui peut 2 jours, et comme ça. Et pour la personne qui dit que. Attendez, où est-ce que c'était ça? Il dit que. Une personne, une seconde. Je vais faire la hijra sans argent. Ma question est la suivante. Si je meurs de faim ou autre, car je n'avais pas de moyens, est-ce considéré comme un suicide? Je donne la nasiha. Et si je me trompe, puisse Allah subhanahu wa ta'ala me pardonner, que yani de ne pas faire la hijra si tu n'as rien. Non, je te donne la nasiha ta'ala, car les gens ont fait la hijra avec de l'argent et n'ont pas pu résister. Et yani sont revenus vers le pays de Kufr. Qu'en est-il maintenant? Il va aller sans argent et rien, et il va errer dans les rues, et ensuite il va yani. Finalement, il sera obligé de retourner là-bas, ou alors il va être obligé de faire le haram. Il va être obligé de voler ou là, de je ne sais pas quoi faire pour vivre. Non, je donne la nasiha à celui qui veut faire la hijra, de se préparer bidna ta'ala. De se préparer bidna ta'ala. Pourquoi? Parce que vous, ce n'est pas. Il y a 2 sortes de gens. Il y a des gens qui étaient ici, dans un pays musulman, qui sont partis là-bas, et qui ont pied à terre ici, pied à terre. Ceux-là n'ont pas d'excuses. Mais les autres qui sont yani,
à la base, ce sont des reconvertis. Ils ont ouvert les yeux, se sont trouvés en France, de père français, de père perdu. Hein? Il faut que yani, ils prennent beaucoup des précautions pour que quand ils viennent ici, ils ne reviennent pas. J'arrête Inch'Allah Ta'ala ici, on se rencontre Inch'Allah Ta'ala samedi. Le mot, je suis sûr que là là-bas. Inch'Allah Ta'ala samedi. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.